Allez, bienvenue dans Débat Foot Marseille, une émission full digital au Fighting Spirit Irlandais, assez impressionnant. Et aujourd'hui, j'ai deux super invités, je les connais parfaitement bien, c'est même des amis. Il y a Jean-Charles de Bono à ma gauche. Comment ça va, Jean-Charles ? Ça va pas, Nico ? Non, ça va très bien. Non, ça va très je suis bien. Content de te retrouver. Tiens. On s'excitait un petit peu. Mais c'est normal, il faut s'exciter un petit peu. Monsieur Mourad Hartz est là aussi, dans le canapé. Tu as fait une revue de presse hier tout soir à fait. Sur Twitch. Qui s'est très bien passé, je remercie toute notre communauté. C'était très sympa, on a parlé des notes de joueurs, tu sais, les fameuses vrai, notes j'ai de vu le joueurs début. Qui j'ai font... J'ai pas vu entier, mais j'ai vu le début sur les notes de joueurs. Justement. Et on a parlé un peu de tactique, donc on a lu un article. C'était très sympa, c'est très bien passé, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, tu vois, avec Jean-Charles, on est raccord, t-shirt noir et tout. C'est vrai. Moi j'ai mis une chemise aujourd'hui. Bon, moi je mets des t-shirts noirs tout toi, l'été. Toi tu es le présentateur. Oh. Si j'ai été à Decat, j'ai acheté 3-4 t-shirts à 3 euros, mais j'aurais dû les acheter blancs, tu vois, j'étais un peu con. Non, parce que jamais du blanc. Ouais, mais l'été, le noir, ça attire la chaleur. C'est vrai, mais le blanc, ça fait grossir. Bah ouais, même là, débat fringue, débat fringue Marseille, ça sera une prochaine fois, messieurs, débat fringue Marseille. Non, juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, Mourad, c'est qu'il a parlé tactique, il disait qu'il allait parler tactique, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires sur les... qu'ils aimeraient bien qu'on fasse des vidéos tactiques. Eh bien, on va faire venir des entraîneurs. On va faire venir des entraîneurs. Voilà, donc, oui, tu as raison. Voilà. C'est même toi qui vas contacter des entraîneurs. Ouais, exactement. Et on va parler tactique. On va essayer de vous expliquer un petit peu comment on joue cette OM de Sampaoli, parce que ce n'est pas forcément facile à suivre, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'ai appelé ta revue de presse de la Slow Actu. Ça peut être un peu. Surtout sur les notes, c'était un peu de la slow actu parce qu'on a pris, on a regardé. Beaucoup prendre de du choses, temps a... de parler de choses qui ne sont pas forcément totalement dans l'actu. Voilà, un petit peu, voilà. Mais pas totalement. Voilà, c'est ça. Donc ça sera rediffusé sur YouTube vendredi à 17h30. Mais il y a aussi la voix Ryan que je n'avais pas présentée la dernière fois. Mais cette fois, j'y pense. Non, mais, Ryan. C'était l'émission du feu, tu avais le droit d'oublier, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas. En tout cas, il y a beaucoup qui savent déjà ce qu'il faut faire. Il y a déjà des gens qui posent des questions, déjà des gens qui disent « on va mettre des likes ». Parce que sinon, Benjamin ne sera pas content. C'est Alexandre Castro qui nous dit ça sur YouTube. Tu m'as piqué la réplique, Alexandre Castro, parce que j'allais dire « Benjamin Courme ne regarde pas cette émission, mais vérifie les likes de cette émission ». C'est ça. Donc mettez des pouces et des orteils, comme dirait Pascal et JM. C'est ça. Donc mettez des likes. Sur ceux qui sont sur Twitch, vous allez directement sur YouTube, vous mettez un like, vous revenez sur Twitch. Et vous n'hésitez pas surtout à laisser des questions pour la fac. Ce sera en fin d'émission. Et je pense que j'ai tout dit. Ouais, bon. Et ce qui est marrant, c'est que pendant que nous, on était en train de parler de yo, machin, tout ça, de parler de complètement autre chose, Ryan, c'était le seul en train de travailler. Oui. C'est souvent un petit peu le truc, tu vois. Si on vous donne un petit peu des coulisses, c'était un petit peu le rush parce qu'on avait le temps. Et en fait, quand on a trop le temps, on oublie de faire des choses et on les fait dernière minute. Et voilà. Donc c'était un petit peu le rush. Mais les minots, ils vont vite. Oui, ça va vite, mais ça pédale vite. Pas non plus les mettre dans la semoule parce qu'après, c'est compliqué. On va parler de quoi aujourd'hui? On va faire l'avant-match Nice parce que l'OM va jouer à Nice. Ça va être un match hyper intéressant. Il y aura bien sûr les paris d'avant-match comme d'habitude. On va parler aussi. Le gros débat, c'est est-ce qu'on va avoir une fin de mercato un peu folle? Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, Dario Benedetto est parti. On va parler un petit peu de ça et surtout de à quoi pourrait ressembler cette équipe avec les mouvements qui s'annoncent. Et petit débat sur Mandanda parce que. Il se fait un petit peu tailler, notre ami Mandanda. Et j'ai appelé ça « Est-ce qu'il est sur la sellette ?» Parce qu'il y a aussi des rumeurs. L'équipe a parlé du fait que Sampaoli attendait avec impatience le retour de la recrue Paul Lopez pour l'installer dans les cages. Donc on parlera de ça. Ça sera le petit débat. Et bien sûr, la fac à la fin, tu l'as dit, Ryan. Et on va commencer tout de suite avec l'avant-match. Jingle. Ah. Il y avait un petit retard à l'image. C'est pour ça que j'ai fait « Ah !» C'est pas parti. C'est le pad qui n'a pas été efficace. Donc, l'OM ira... Je pense que c'est quand on s'assoit dans cette chaise, on devient assez speed. Tu vois, t'as récupéré le côté speed de Ben, tu vois. Ah, j'attends, ça doit être instantané. Hein. C'est sanction, là. Comme James Brown, il faisait comme ça, il mettait des amendes aux musiciens quand ils faisaient des pains. Et là, c'est pareil, bam, amende. Tu as cru James Brown, toi? Ah, moi, c'est mon idole. Ah, après, bien. C'était pas trop la démocratie, James Brown. Super non, musicien. Justement, c'était une critique sur lui. C'était un psychopathe. Donc, Nice. On va d'abord parler de Nice. C'est l'adversaire de dimanche. Nice qui a fait un carnage, on va le dire, face à Lille la semaine dernière. Une belle revanche de notre ami Galtier quand même face à Lille. Est-ce que tu as vu ce match, Jean-Charles? C'est pas absolument. Oui. Tu l'as vu. Donc, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette équipe de Nice? Déjà, la première chose que je peux retenir, c'est qu'il y a une grosse solidité. C'est une équipe qui n'encaisse pas de but sur les deux premières journées de championnat. C'est aperçu que ça a été 0-0 face à Reims, 4-0 à Lille. Donc c'est une équipe qui aurait pu marquer un peu plus de buts, un cinquième qui a été refusé. On n'a pas très bien compris pour un hors-jeu. Alors sur le tableau d'affichage, il avait marqué 5-0, d'un coup c'est passé à 4. Ouais. Bon, peu importe. Mais cette équipe-là a
je dirais, l'identité Christophe Galtier. Là, tu retrouves déjà la patte Christophe Galtier. Oui, parce que du côté, j'ai entendu les Lillois parler en disant que la saison passée, ce qui était leur point fort, c'était la défense, de ne pas encaisser des buts dès le départ et après d'en marquer, bien sûr. Mais là, on s'aperçoit que sur les deux premières rencontres de l'OGC Nice, et c'est une nouvelle fois ça, c'est une équipe qui n'encaisse pas de but. Et j'ai entendu aussi les propos de Christophe Galtier après le match, qui disait, pour gagner une rencontre, c'est déjà ne pas encaisser de but, et après faire le job pour aller en marquer un ou deux. Tu retrouves quand même le côté offensif, surtout qu'il y a de quoi faire, il y a du talent dans cette équipe. Absolument, après je retrouve cette équipe qui est solidaire, cette équipe qui a de la participation sur les côtés, une équipe qui est très souvent en mouvement, qui, même si elle n'a encore pas toute la qualité qu'attend Christophe, mais d'ailleurs elle attend de nouvelles recrues aussi, mais on s'aperçoit que petit à petit, Gouiri, Dolberg, Boudaoui, Lemina même qui arrive, ça a mis du rythme, ça a mis du jeu, et je pense que l'homme le plus dangereux et qui est le plus en forme aujourd'hui, c'est Gouiri, qui lui monopolise un petit peu tout ce jeu offensif de l'OGC Nice, et qui est capable lui de jouer quasiment même en faux numéro 9, c'est-à-dire derrière l'attaquant, se projeter vers l'avant, et puis après il y a un milieu quand même assez récupérateur. C'est une équipe assez compétitive, même s'il y a des erreurs par moment. Dans l'axe, ça ne va pas très vite. Avec, voilà, place, il y a Dante qui est un petit peu lent. Bon, Todibo compense un petit peu tout ça. On en reviendra, on en reparlera. Peut-être, pour moi, un petit problème sur le côté droit avec Attal, qui a souvent tendance à monter, et a oublié de revenir un petit peu. Donc, il va falloir servir un petit peu de... Il oublie beaucoup de choses, Attal. Oui, bon, mais... Voilà, il va falloir servir un petit peu de tout ça, moi, tu vois, pour essayer de les piéger. Donc, mais c'est une équipe qui est assez... assez rugueuse et assez compétitive. Bon, on va la regarder. Mourad, tu vas pouvoir commenter avec moi. L'équipe de Nice qui a joué donc face à Lille. Voilà la compo. Donc Benitez, on connaît, c'est le gardien qui a depuis un moment. Comme tu le disais, Attal, Todibo, Dante. Donc là, les recrues ont été entourées en rouge. Encore un Lyonnais. Ils aiment bien les Lyonnais. Très bon, mais, très bon. Non, mais surtout Lyon, ils adorent vendre leur meilleur espoir à Nice pour 3. Je comprends pas, parce que même les Lyonnais étaient dégoûtés. Parce que Gouiri, déjà, l'année dernière, tu te dis... Je l'avais mis sur Twitter, j'avais dit, putain, j'aurais bien aimé... dommage qu'il soit Lyonnais, qu'il vienne de Lyon, parce que du coup, il est impossible à recruter pour nous, mais c'est exactement le genre de joueur que j'aimerais bien voir arriver à l'OM. Bon, sa saison dernière ne m'a pas donné tort. Et Melvin Barr, pareil, les Lyonnais n'arrêtent pas d'en parler, disaient que c'était un super joueur, et tu le vends et tu vas chercher des Brésiliens moyens, etc. En fait, Lyon, tu comprends plus ce qu'ils font, quoi, mais ils aiment bien, en tout cas, vendre leur meilleur espoir à Nice. C'est un délire. C'est étonnant, parce que autant on peut dire pour l'OM qui a récupéré Conrad au Barça, c'est quand même un peu bouché, tu comprends quand même. Oui. Un jeune talentueux n'arrive pas à émerger en équipe première, mais Barr, c'est Cornet qui joue latéral gauche. Surtout qu'ils veulent vendre Cornet, Mourad. Ouais, mais ils vont. C'est à rien comprendre. C'est vrai, quoi, que la gestion est assez étonnante. Mais ils vont récupérer Emerson, c'est pratiquement fait, non? Oui, c'est un prêt, a priori. Ouais, okay. Mais bon, c'est quand même une politique assez étonnante, sachant qu'en plus, à Lyon, en général, on laisse la place aux jeunes. Là, comme tu dis, mais Gouiri, il y avait Garcia aussi. Ouais, faut quand même préciser ça, quoi. Et donc, ils ont recruté Rosario au milieu de terrain. En provenance aussi du PSV, je crois. Ouais. Lemina, donc là, nous, on le connaît bien, Lemina, et le petit Kluivert, le fils de l'autre, comme on dit. Et donc, le duo Dolberg-Gouiri. Comment tu vois cette équipe, toi, Mourad ? Il y a aussi un autre mec qui vient des Pays-Bas, non ? On va voir les recrues, après. Qui apparemment est aussi qui est très phénoménal. Très bon. Ouais. Moi, j'ai les droits, c'est ça ? Ouais, côté droit, oui. Okay, on verra après. Moi, j'ai pas vu les bons matchs parce que j'ai vu Nice-Reims. Et c'était un vrai match nul. Oui. Il ne se passait pas grand-chose. Alors, Nice n'avait pas été mis en danger, particulièrement en seconde mi-temps où la rentrée de Dolberg avait un peu fait se lever tout le stade, etc. Mais il n'y a pas eu... Franchement, j'ai même pas le souvenir d'une grosse occasion. Donc, c'était assez stérile. C'était sérieux, mais assez stérile. Et puis là, une semaine après, tu vois qu'ils ont... Et les recrues avaient joué déjà sur ce match-là, Lemina, tout ça ? Non, ils étaient rentrés une quart d'heure. Ils étaient rentrés. Il y en avait peut-être une qui avait joué, une ou deux. Mais dans tous les cas, c'était assez stérile. Ça menait pas à grand-chose. Et une semaine après, tu vois qu'ils ont progressé. Tu vois que, comme Jean-Charles le disait, c'est une équipe sérieuse, disciplinée. Galtier a demandé beaucoup de discipline, il a remué un peu tout le monde dans cette équipe. Ses déclarations, c'est fracassante même. Voilà, parce que c'est une équipe qui se laissait un petit peu vivre. Donc c'est un gros adversaire, c'est un gros test, parce que c'est une équipe en progression entre le
le premier match et le deuxième match, il y a eu de la progression, parce que quand tu vois les buts, moi j'ai pas vu le match contre Lille, j'ai juste vu un long résumé, et tu vois déjà qu'il y a du monde dans la surface de réparation sur le premier but par exemple. Tu vois qu'il y a, deux frappes, il me semble, ça rebondit sur le poteau, et puis Dolberg à la finition. Ouais. La projection, est, effectivement, ça joue offensivement. Mais justement, ça peut être inquiétant pour l'OM, parce qu'on voit encore que l'OM, c'est pas complètement en place défensivement, et qu'il y a des espaces quand même. Ouais. Avec la vitesse des nouveaux, là, plus Guiri, on se dit que ça va... C'est un gros test. Moi, j'ai vraiment envie de voir ce match. Je me dis que ça va être un match difficile. Mm-hmm. Et puis, c'est pour ça qu'on regarde du football. Quoi. Par contre, parce que là, par contre, on ne peut pas faire l'excuse de « oui, mais ils ont plus d'argent que nous », etc. Machin. Là, c'est un gros match. On veut voir ce que ça va donner. Et puis, voilà, moi, c'est excitant. Moi, j'ai vraiment envie de voir ça. Et puis, c'est bien. J'espère qu'il va en avoir beaucoup, des matchs comme ça en Ligue 1. Bien sûr. Je suis content. Mais il y a de l'argent quand même. Oui, du côté de Nice. Hein. Juste, on va regarder les recrues. J'en charge, je te coupe deux secondes. On va pouvoir tu vas pouvoir dire ce que tu voulais. Juste la petite liste des recrues. Et ça va continuer à bouger parce que là, on va avoir une fin de mercato un peu dingue parce que ça a mis du temps entre l'euro et l'après-Covid. Donc là, pour l'instant, on voit quand même ils ont recruté un gardien remplaçant. Ils ont pris donc des joueurs offensifs. Tu parlais de Stench ou Steins, je ne sais pas comment on le prononce, mais bon. Le joueur de la dette, c'est effectivement un espoir, un ailier droit qui va très vite a priori. Todibo, on l'a vu l'année dernière, on sait ce que ça vaut. Rosario au milieu, il a déjà installé direct Rosario Léminal, il a direct installé au milieu. Dans un rôle différent alors du premier match. Rosario qui a joué plus bas. Ouais. Que le premier match face à Reims. Moi qui n'ai pas vu entier. Moi j'ai vu les deux matchs. Ni l'autre. C'est quoi le profil Rosario, c'est un joueur assez technique. C'est un technicien assez rapide, assez hargneux sur le porteur du ballon, qui a une bonne relance. Après, il va falloir qu'il trouve un petit peu plus de jeu dans la profondeur. Il cherche véritablement son poste. Bon, après, il y a eu beaucoup de changements. De la première journée à la deuxième, c'est ce que j'allais dire, voilà. Il cherche son équipe, il y a Barre qui est rentré, Kluivert qui est rentré, Kluivert est joué au premier match, Lemina qui est rentré, Dolberg qui est rentré titulaire, Boudaoui avait joué le premier match. Boudaoui n'avait pas joué le premier match, donc tu vois, ça fait quand même déjà 4 changements par rapport à la première rencontre, donc ça situe un petit peu le profil de cette équipe niçoise que recherche Christophe Galtier. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se méfier. Mais Rosario, effectivement, c'est un joueur qui est assez rigoureux sur le porteur du ballon, comme je viens de le dire, et qui a cette technique et un jeu assez rapide vers l'avant. Donc ça aussi, alors méfiance, il avait sorti Thuram, qui était titulaire dès le premier match, pour mettre Rosario et Lemina à la récupération. Mais il va quand même avoir de quoi faire. Et Thuram, il devait partir, non, il me semble, je ne sais pas s'il est déjà parti ou s'il devait partir. Non, il n'est pas parti. Voilà, mais que c'était bien parti. Non, mais c'est une équipe en progression, quoi. C'est ça le truc. C'est une équipe où je dis qu'il y a des moyens qui peuvent encore, même améliorer encore. J'ai peur, parce que d'un côté, c'est excitant d'avoir des concurrents, mais j'ai peur que Nice ait fait le bon choix avec Christophe Galtier pour son projet. Ouais. C'est-à-dire que... Je vais faire l'autopromo, je sais que ça plaît à beaucoup de monde, mais dans mon nouveau livre qui va sortir le 30 septembre, il y a une interview de Jean-Pierre Hivert sur les entraîneurs, et il me dit, en fait, c'est pas l'entraîneur qui fait le projet, mais c'est ton projet qui doit définir quel entraîneur tu as besoin. Et je pense que Nice se plantait sur l'entraîneur dont ils avaient besoin ces dernières années avec Patrick Vieira. Après, Urchea, c'était un remplaçant. Et que là, Galtier, c'est exactement l'entraîneur dont leur projet a besoin. Et que leur projet, il n'est pas si mal et qu'il y a quand même des bons petits joueurs là-bas. Ouais. Et que Galtier va peut-être apporter la touche finale qu'avait besoin ce projet pour qu'il prenne sa pleine ampleur. Et il faut que le nôtre soit meilleur. Il faut que le projet de l'OM soit meilleur parce que ça ressemble à une équipe qui peut être un vrai concurrent pour les trois premières places cette année. Et si, sur plusieurs années, j'ai presque envie de te dire. Voilà, si et peut-être sur plusieurs années. Donc, tu veux dire qu'ils ont fait un meilleur choix en prenant Galtier que Lille en prenant Gouvernec, c'est ça que tu... On verra. No comment. Bon, on va un peu parler de l'OM avant ce match-là, parce que quel 11, ça c'est toujours la petite rubrique avant ce match, on a envie de dire, bon, vu que Benedetto est officiellement parti à Elche, il va encore jouer avec Payet en faux numéro 9, mais il y a quand même un absent, puisque Balerdi a pris un rouge et donc a été suspendu pendant deux matchs. Donc quel 11 sans Balerdi? Alors on va voir le 11 qu'il a affiché pendant deux matchs. Donc là, on n'aura pas Balerdi. Alors, est-ce que pour vous, ça va être très simple, un bon gros poste pour poste avec Alvaro, ou on peut imaginer autre chose? Tu te vois comment, toi, Jean-Charles?
Moi, je le vois plutôt avec Alvaro, puisque bon, il retrouve son poste de prédilection. Alvaro, qui est un joueur rigoureux, qui a fait la saison passée les matchs plus ou moins bons, à un poste qui est le sien. Et la sortie de Balerdi, qui met d'autres, à part si on met pas. Si on ne met pas Alvaro, on Camara. Peut mettre Camara. Voilà. Non, Camara, j'aimerais moi, beaucoup. Moi, pour Camara, mais... Oui, mon mais moi, pas, moi, j'aimerais bien voir Camara. Bon, on ne sait pas s'il va rester ou pas, mais j'aimerais bien voir Camara avec les deux autres défenseurs, parce que je pense que ça ferait une très belle défense. Ouais, moi, j'aimerais bien, justement, effectivement, comme tu dis, j'aimerais bien voir pour qu'on ait une idée. Parce que pour moi, Camara, il a vraiment le profil idoine pour gérer cette défense. En plus, avec l'expérience qu'il vient d'avoir au poste de milieu de terrain, je pense qu'il a une vision bien plus large du jeu. Et ça serait hyper intéressant, parce que maintenant, tu as quand même deux bons stoppers, d'avoir Camara en libéraux. Enfin, j'y crois pas, par contre. Autant surtout, je l'appelle, autant j'y crois pas. Surtout que Camara, dans un rôle qui n'est pas le sien, ce milieu de terrain faux axial côté droit, je trouve qu'il perd en qualité. Et oui, mais bon, de replacement, en qualité de relance, tu vois. Donc, ce repositionnement, c'est pas donné à tout le monde. Non. Alors, c'est vrai que peut-être l'arrivée de Lirola nous permettra d'avoir peut-être un joueur de couloir. Mais là, Camara, je trouve qu'il perd un peu plus de sa qualité, parce qu'il est quand même, il a quand même une bonne relance. Mmh. Et il est quand même assez bon quand il est dans l'axe, en numéro 6. Ça lui permet d'avoir le jeu face à lui et non pas sur un côté. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Mourad ? Bah, moi, je ne suis pas persuadé qu'il ne change pas de système. Bon, c'est vrai que Lirola sera sans doute trop court pour être là, mais même, il a aussi joué en préparation par moment avec... avec un avant-centre qui peut être Dieng. C'était ma question d'après. Ça me chatouille le nez, je sens que je vais éternuer. Et ça arrive. Ça joue longtemps. Pas de produit interdit, Mourad. Non. S'il te plaît. Non, c'est Ben. Ça c'est Ben, c'est pas moi. la réputation, c'est que tu sais, Ryan, c'est la chicha. Ouais, on peut y aller. On peut y aller. Voilà. Moi c'est. Il est toujours là le savon. Moi c'est les barbecues, donc ça va. Ouais, voilà. Moi c'est la bière. Et donc oui, peut-être repartir avec Dieng, parce que peut-être que tu peux mettre, si Camara est sur le départ, est-ce que tu vas le faire jouer? Est-ce que tu vas pas simplement mettre Rongier à sa place et Alvaro derrière? Parce qu'Alvaro, il y a aussi une histoire de statut, c'est-à-dire qu'Alvaro, il a un certain statut, on l'avait vu pendant les matchs amicaux vraiment faire la gueule quand il était sur le banc. Donc, ou peut-être même sortir en fin de saison. Voilà, donc si en plus, là, qu'il y a Balerdi absent, il joue pas, tu l'as prolongé, etc. Il s'agit de ne pas faire une Marcelo et de ne pas mettre une ambiance de merde dans ton club. Donc je pense qu'il va être titulaire, même si par rapport à la relance, etc., c'est pas le top. Après, tu peux peut-être le mettre. Enfin bon, je sais pas, peut-être que Sampaoli va aussi un peu s'adapter à l'équipe adverse, parce que mine de rien, tu as moins produit sur le deuxième match que sur le premier, et que là, tu rencontres un adversaire qui, sur le papier, est supérieur encore à Bordeaux, parce que Nice, c'est un autre niveau. J'ai envie de rajouter, t'as moins de produits, d'autant que là où t'as vraiment beaucoup produit au match à Montpellier, c'est quand Benedetto a joué en pointe, je trouve, où t'as vraiment fait une deuxième mi-temps très sympa. Oui, non, parce que même en première mi-temps, tu te procures beaucoup d'occasions. C'était cohérent ce que tu faisais, c'est juste que t'as eu le mérite de continuer à être cohérent. Mais Payet un peu plus bas, c'est quand même, je trouve, plus intéressant, parce que dans son système-là, le fait que Payet soit en faux neuf et qu'il descend quoi qu'il arrive à récupérer des ballons, ça oblige Gerson et Guendouzi à jouer plus haut, et je pense que c'est vraiment pas leur meilleur poste. Mais oui. c'est ça le truc qui est un petit peu gênant pour le moment, c'est que Gerson et Guendouzi, j'ai l'impression qu'ils seraient meilleurs s'ils avaient l'espace devant eux, et qu'il y a un ou deux moments, genre à Montpellier, on a vu Gerson lancer Conrad en profondeur, etc. Après, Gerson, apparemment, on a vu aussi contre Bordeaux qu'il peut faire des courses en profondeur. Il l'a fait deux fois, donc c'est assez surprenant. Ce joueur, en fait, c'est un peu une énigme. Il a l'air de tout savoir faire, mais on a l'air de pas savoir quoi en faire. Donc il faut trouver. Est-ce que c'est pas lié aux absences de Milik et aux absences, enfin, d'un latéral droit? C'est sûr que si Milik bricole, était là, d'un seul coup, tu te poses plus de questions, quoi. Tu mets Milik, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois la compo de Ryan, là, je me dis, Under, il est à 100%. Oui, c'était des crampes après. Oui. Ouais, des crampes. C'est Sampaoli qui a dit ça. Je me posais la vraie question. Est-ce que Under et qu'il sera susceptible de jouer, ou peut-être, s'il n'y a pas une heure, de mettre le petit Dieng en attaque, tu vois, et peut-être Guendouzi sur un côté droit, ou Gerson, tu vois. Après, ça peut changer aussi. Dans le poste hybride qu'occupe Camara, c'est Rongier qui l'a déjà fait en match de préparation. Oui.
Après, c'est vrai, on peut se poser la question, mais je pense que la question d'Ender, on va vraiment se la poser quand Lirola va arriver. Parce que quand Lirola va arriver, Ender, c'est un des joueurs qui peut sauter. Mais pourtant, ça a été un des joueurs qui a fait un très bon début de saison. Deux buts en deux matchs. Après, tant mieux. Hein, les problèmes de Rich, c'est mieux de les avoir que ce soit les autres. Donc c'est vrai que la petite question, là, bon, parce que Lirola n'est pas encore là, je ne pense pas qu'il sera là d'ici le match. Enfin, peut-être. Hein, oh. Il ne sera peut-être pas qualifié. C'est effectivement Dieng. Dieng, il peut jouer même à la place de Under dans ce rôle d'ailier droit, et il peut jouer en pointe en faisant reculer Payet, mais dans ce cas-là, tu es obligé de sortir un milieu de terrain, et on a toujours ce questionnement, quel milieu va sortir, mais à un moment donné, tu vas être obligé d'avoir des remplaçants, parce que là, si Camara s'en va, je fais juste le truc là, avec ce système-là, si Camara s'en va, tu as Rongier qui peut prendre sa place, mais après, tu n'as plus de remplaçants. Tu n'as plus aucun remplaçant de milieu de terrain. Si Camara s'en va, je pense que c'est Lirola qui prendra le poste. Non, je suis d'accord, mais je fais juste pour voir en fait tes milieux de terrain. Mais ils sont tous alignés, tes milieux de terrain. Ouais, mais si Milik revient, ça veut dire que tu as un milieu de terrain qui va sur le banc. Oui, donc, bien sûr, mais je pense qu'il y en a deux qui vont sauter à un moment donné. Mais il va te manquer quand même un ou deux remplaçants. Ce sera Targaline, le jeune Marocain du centre de formation. Pourquoi pas, après tout Après, je pense que peut-être que si tous les départs prévus sont faits, on en parlera tout à l'heure, tu auras peut-être aussi un autre joueur qui peut arriver aussi à ce poste-là. Peut-être, oui. Bon, après, Vass, ce qui est bien, c'est que si tu le recrutes, en fait, il peut... Oui, Vass, il peut t'occuper de mettre partout, donc c'est pour bien. Ça que Vass, c'est hyper intéressant. Pour moi, ça serait une des meilleures recrues, si on peut le prendre, parce que, bon, ça va solutionner beaucoup de problèmes de cette équipe, tactiquement. Il peut jouer tellement de postes. Il peut faire tous les postes à droite, il peut faire... Le poste à gauche. Et dans l'axe aussi. Donc c'est incroyable. Milieu, ailier, latéral. Donc c'est le remplaçant de partout, quoi. Bon, messieurs, on va s'arrêter là sur cet avant-match. Pas totalement, puisqu'on va d'abord faire les paris sur ce match. Et vous allez voir, Ryan est dans le game maintenant. Allez, Ryan, générique. Alors, messieurs, on va parler un petit peu paris. Vous le savez, c'est le pari fou et le pari sécure. Paris des jeux. Hein. Non, on parle pas de l'équipe de Messi. Confonds pas. On parle pas de Messi. Voilà. Donc, pour ce match à Nice, moi, j'ai pas trop voulu jouer le résultat parce que j'avoue que ça me semble très indécis comme match. J'ai joué quelque chose qui va plaire à Mourad, les deux équipes marquent. Alors, oui, Nice n'a pas encaissé de but, mais je pense qu'ils vont en encaisser un parce que l'homme a quand même une belle force de frappe. Donc voilà, les deux équipes marquent, 1,63 comme cote, je trouve ça raisonnable. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Monsieur, vous en pensez quoi? Moi, ça me paraît probable, très probable. Ouais. Oui, moi aussi, mais bon, tu me parlais que l'équipe de Marseille était capable de marquer à tout moment, c'est vrai, parce qu'il y a le feu dans les jambes des attaquants marseillais. Ça avait été le cas du côté de Lille aussi, hein, quand on voit l'attaque lilloise. On pouvait se poser des questions que cette équipe allait marquer. Mais effectivement, je pense qu'ils sont pas en forme encore quand même. Hein. Ouais, défensivement, je pense que Lille a encore Nice a encore quelques petits problèmes à résoudre. Mais je sens capable l'Olympique de Marseille d'aller marquer le but. Ouais, voilà. Oui, franchement. Moi, je pense que c'est un vrai pari sécure. Ryan, qu'est-ce que tu as joué toi? Moi, j'ai joué OM au match nul. Alors, ça paye un petit peu moins, mais je vois vraiment ça, soit une victoire, soit un match nul face à Nice. Ouais, c'est. J'ai envie de dire, c'est limite prendre moins de risques de jouer le pari de Nico, en fait. Parce que. Ouais. En fait, c'est prendre moins de risques, mais. Il y a deux solutions, par contre. C'est sûr qu'il a deux possibilités. Ouais. Mais Nice peut aussi gagner ce match. Non, mais je sens bien le match nul, en fait, dans ce match. Ouais. Tu sens le match nul? Ouais. Alors, eh ben moi, j'aurais dit le sens contraire, tu vois. J'aurais mis ou l'OM ou Nice. Ah oui, tu sens une victoire, toi. une équipe ou l'autre, mais peut-être un peu moins le match nul. Bon, là, on a joué la sécurité. Donc là, c'est plus confort. Là, on passe un petit peu au pari fou. Alors, contrairement à Ben, nous, on tape. Hein. Ryan, on a décidé d'aller. Là, on est parti dans des grosses cotes. Alors, moi, je suis parti sur la cote Saliba buteur. Genre, une bonne tête sur un corner. Parce que la cote est sympa. 18,80. Elle est belle, même. Je me dis, vu la taille du Colosse, il va jouer contre l'équipe dans laquelle il a joué pendant 6 mois la saison dernière. Souvent, ça arrive, ces histoires-là. L'ancien joueur qui marque quand on est dans l'équipe. Donc 18,80, vu la taille qu'il fait, s'il y a un bon corner de Payet ou d'Under, pourquoi pas. Voilà, c'est une belle cote. Tu joues le côté, le côté superstitieux, l'ancien qui marque contre son club. Il est tellement impressionnant physiquement, il va bien nous en marquer des buts de... Par contre, je ne sais pas s'il a beaucoup marqué dans sa carrière, Saliba. Non, c'est possible. Bon, elle est toute jeune, sa carrière, hein, Mourad. Aussi. Ça fait un moment qu'il ne joue plus beaucoup, quoi. Bon, à Nice, il a joué l'an dernier. Ouais. Nice, il a joué une demi-saison, je crois. Oui, une demi-saison.
Et puis, ouais, Satiri, il jouait. Et est-ce que c'est lui qui marque, est-ce qu'il marque un but ou c'est Todibo non, je crois que c'est lui. Contre Lyon. Je ne sais pas lui. C'est peut-être lui. Oui, ça doit être lui parce qu'ancien de Saint-Etienne. Saint-Etienne, il avait fêté ça. Et voilà, s'il avait dit, ils ont fêté ça, ils n'avaient plus rien à jouer, ils ont fêté ça. Ou c'était Garcia, je ne sais plus. Ouais. Des deux. Oh, c'est pareil. C'était sympa. C'est des pleurnicheuses. Ryan, toi, tu tapes encore plus haut, je crois. Alors oui, là, en fait, j'ai vu ça et j'ai dit, bon, Nico, il a donné le ton, donc il faut que je rivalise bien. Et j'ai mis score exact. Moi, je vois un 2-3 pour l'OM. Du coup. Et c'est une cote à 30. Je pensais que tu avais marqué buteur Mandanda. Non. Je sais pas. Je me suis dit, il a mis nos cotes. Ça doit être 300, ce truc-là. Non, la cote la plus élevée, la plus improbable pour le buteur, c'est buteur Rongier. Elle est à 75. C'est vrai, Non, mais voilà. Du coup, alors je vérifie en même temps. Et tu as raison, c'est le seul but de sa carrière, je crois. Et voilà. En Ligue 1, Salibas, c'était le but face à Lyon. Donc il n'a pas marqué beaucoup, mais il a marqué contre Lyon, donc peut-être qu'il va marquer contre Lyon. Ça doit lui plaire. C'est un pari fou, hein. Mettez pas votre PL dessus, hein. Clairement. Là, c'est pour faire un peu de la folie, là tu mets un euro, tu joues. Par contre, celui-ci, pas mal. C'est deux équipes qui marquent beaucoup, et donc là, c'est vrai qu'au dernier match, nous on fait 2-2 contre Bordeaux, ils gagnent 4-0, et on fait 3-2 à Montpellier aussi. Donc ouais, c'est je trouve que c'est pas un score délirant et c'est quand une même grosse cote. Voilà, c'est une grosse cote. Il me semble on avait perdu une année à Nice 3-2 la première année où Balotelli arrive, etc. On avait dû faire un 3-1 une année aussi où Mandanda sauve un penalty, donc ça aurait pu faire 3-2. Donc c'est aussi des matchs où il peut y avoir pas mal de buts. Après, on avait gagné 1-0 avec Villas-Boas, je crois, contre. Je ne suis pas Yacine. C'est toujours un petit peu des. Yacine, si t'es comme là. Comme ça reste toujours plus ou moins une derby de la Méditerranée. Oui, c'est chaud en plus. Ça peut être explosif, notamment en ce début de saison, parce qu'on sait que tous les problèmes tactiques, le physique et tout n'est pas encore bien réglé. Donc ça donne beaucoup de possibilités aux attaquants et beaucoup de faiblesses sur les défenses. Donc ça peut donner beaucoup de buts. En tout cas, on se le souhaite. En tant que spectateur, même si... On aime les buts. Surtout avec un score comme ça, ouais. Ça me va bien. Un score comme ça, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais moi, j'imagine bien un 2-2 ou j'imagine bien un match nul. Bon, pour l'instant, l'OM fait le spectacle, donc ça peut continuer. Ça continue, mais avec la gagne au bout. Et n'oubliez pas, parce que là, ça fait quand même deux matchs où ils n'en ont pas eu, le Paris Sécure, c'est quand même pénalty pour Lyon. Et on passe pour les bras. Généralement, Ben, il dit rien après. Il dit juste penalty pour Lyon. Je ne suis pas Ben. Il faut t'adapter. T'as perdu tes repères. T'as perdu tes repères. Ne t'inquiète pas, Ben revient lundi. Tu pourras rebalancer le générique après penalty pour Lyon. Et tu devras attendre, par contre, une demi-heure avant de lancer le premier générique. Ouais, parce qu'il faut attendre 5 millions de likes. C'est ça. J'espère que d'ailleurs, vous avez liké cette émission. C'est très important. Mais surtout, liker pour le décor. Non, ça c'est sûr. Ça c'est magnifique. Est-ce que tu as vu le travail ? Je le trouve de plus en plus beau, le décor. Est-ce que tu as vu le travail de l'artisan ? Qui a posé le sol et ses magnifiques baguettes en bois. Ouais, j'ai vu ça. C'est un petit artisan de baguettes en bois, sont là. C'est bien, c'est bien. Je trouve magnifique le décor. Franchement. Écoute, moi ça me fait plaisir. Ça tape vraiment pour. Ça me fait très plaisir que tu me dises ça. Parce que l'artisan, c'est de ta famille, non ? Non, c'est moi. C'est moi l'artisan. Ouais, c'est un mauvais artisan, hein. Faut pas regarder les détails. Mais on n'est pas là pour parler artisanat, on est là pour parler mercato, même si c'est aussi de l'artisanat, mais qui rapporte beaucoup plus. Parce que ça va bouger. On sent qu'il va y avoir une fin de mercato très active. J'avais une blague, j'allais dire, c'est de l'artisanat surtout à Nantes. Oui. C'est de l'artisanat avec des copains. Avec des copains et un pack de bière, on recrute. J'ai failli utiliser un mot qui peut être susceptible de représailles, donc je ne l'utiliserai pas, mais oui, à Nantes c'est très particulier. Donc gros débat, on va parler... du mercato, et déjà un truc officiel, Dario Benedetto n'est plus un joueur de l'OM, au moins pour cette saison. Il y a une petite image, regardez ça, Ryan a été très fort, il a été Dario Benedetto en vert, parce qu'il rejoint Elche, mais je crois qu'il y a son agent qui a des parts dans le club. C'est ce que j'ai compris, oui. C'est un peu une surprise parce qu'on l'attendait dans un autre club avec un maillot vert, le Betis, et a priori le Betis n'a pas pu faire le deal parce que vous savez que maintenant en Liga, les masses salariales sont encadrées et qu'ils n'ont pas réussi à sortir un joueur pour pouvoir prendre Dario Benedetto. Donc c'est un peu une surprise. Vous avez vu un petit peu le feuilleton. C'est un petit peu le cas de Camara avec... Oui, avec le FC Séville. On en parlera tout à l'heure. Ne me fais pas du... Non, mais c'est juste le cas de Camara. Dario Benedetto, alors j'ai une question toute simple. Est-ce que ça vous laisse un regret ? Alors, toi, je connais déjà ta réponse. Je sais que c'est un gros regret pour toi, mais je vais commencer par Jean-Charles. Toi, est-ce que c'est un regret de voir partir ou tu te dis, de toute façon, là, il n'était pas très très bon ces derniers temps et c'est pas mal de changer d'avoir un autre remplaçant à Milik ? Il y a deux cas de figure.
On sait que Milik va arriver et va jouer titulaire, parce que c'est un redoutable buteur, et que c'est un super avant-centre. Et on sait que Benedetto, en restant, s'il est remplaçant, ça va le pénaliser sur son année. Alors je me dis, est-ce que ce joueur-là, s'il était resté, il aurait donné le maximum de ses possibilités, de ses qualités, en tant que remplaçant? Peut-être que j'aurais un petit peu douté. Par contre, je suppose que s'il avait été titulaire, il aurait fait une belle saison cette année avec l'Olympique de Marseille. Ah, tu penses ça, j'avais dit ça il y a un ou deux mois en arrière. Je pense que c'est un joueur et un garçon revanchard qui a besoin de marquer des buts, qui a besoin de prouver que son transfert était une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Bon, malheureusement, ou heureusement pour lui, il est parti à Elche. Je pense qu'il marquera des buts aussi en Espagne. Mais c'était un joueur qui aurait pu, je pense qu'il a envie de dire, pas dépanner, mais être un très très bon joker pour l'Olympique de Marseille. Mmh. Donc tu as une part de déception quand même de voir François. Oui, mais ça permet à l'Olympique de Marseille, comme c'est un extra-communautaire aussi, de pouvoir peut-être récupérer une place supplémentaire. Donc après, je comprends très bien aussi le joueur. Hein. Il est là, il joue des morceaux de match. Pour un joueur de son calibre, c'est toujours gênant. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin de jouer, c'est un attaquant, il a besoin de marquer des buts. Et puis bon, suite à son transfert, c'est vrai que c'est un petit raté, en fait, entre guillemets. Bon, Mourad, moi je sais que tu es déçu, que tu attendais plus de lui. J'ai une question simple, c'est... là, il part, j'ai l'impression qu'il est quand même poussé dehors. Le truc qu'il y a, c'est que quand tu vois que Milik n'est pas là et qu'il n'est pas titulaire, ils l'ont pas mis dans des positions de façon pour pouvoir se relancer cette saison. J'ai l'impression que les dés étaient déjà pipés dès le début de la saison. Mais un moment aussi, il faut l'OM, c'est difficile. Il faut te faire ta place, il faut te la faire avec les dents. Et en fait, c'est ma plus grosse déception avec Benedetto, c'est que il a subi les événements et il a jamais montré de force mentale. Et donc moi, j'ai perdu le joueur que je connaissais au fil du temps. J'espère que c'est la dernière victime du FC des mentors, tu sais, les trucs qui aspirent les âmes et les talents des joueurs. Mais le mec, il a complètement disparu. Moi, j'avais des doutes sur son physique avant qu'il arrive, parce que je l'aimais beaucoup à Boca avant sa blessure. Après, il est revenu, il avait fait donc ces quelques mois qui étaient pas mal au niveau de la Libertadores, etc., où ça fonctionnait plutôt bien. Tu disais, bon, peut-être que physiquement, il est revenu. Il est arrivé, j'ai retrouvé le joueur donc, que je connaissais, qui était vraiment pas mal. Sauf qu'au bout d'un moment, voilà, quoi, il a disparu tout simplement, il s'est éteint. Peut-être qu'il y a des circonstances qui étaient difficiles, parce qu'il faut aussi parler du jeu qui a été mis en place après par André Villas-Boas à partir de janvier 2020. C'était vraiment plus du tout du football, c'était du football ultra défensif, donc lui, il recevait plus beaucoup de ballons, etc. Mais il faut forcer un petit peu sa nature, il faut aller chercher sa place, c'est difficile l'OM. Et lui, vraiment, on a l'impression qu'il s'est laissé aller, qu'il est rentré dans une espèce de dépression tranquille. Peut-être qu'en plus de ça, qu'en plus de plus jouer, il n'y avait plus les supporters pour le pousser. Donc peut-être que ça aussi, ça a joué. Mais dans tous les cas, au final, il est resté 2 ans. Il a eu le temps de montrer, il a eu le temps de tomber, de se relever. Mais il est tombé, oui, mais il ne s'est jamais relevé. Donc c'est une déception. Et je me disais peut-être qu'on a un très bon avant-centre. Et en fait, on ne l'a pas eu parce que le mec, il était... je ne sais pas si ça va redevenir l'avant-centre que j'ai vu à Boca un jour dans sa vie. Et j'espère qu'il va quand même montrer quelques belles choses à Elche pour qu'il soit définitivement transféré. Parce que si on le récupère après un prêt raté, encore une saison, ça va être dur. Et puis, il a un gros salaire. Et puis, d'ailleurs, l'OM devrait payer une partie de son salaire. On parle de 50%. On n'a pas encore les détails du deal. Le truc moi, que je voulais rajouter là-dessus, c'est vrai qu'il s'est un peu perdu avec Villas-Boas. Et je suis d'accord avec toi... Le système de jeu n'était pas fait pour être attaquant. J'allais en parler justement. Ça, c'est sûr. Mais je suis aussi d'accord avec toi. Je trouve que mentalement, il a quand même montré un peu, pas du je m'en foutisme, mais on le sentait plus trop concerné. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que quand son compatriote Jorge Sampaoli est arrivé, il pensait que ça allait, hop, c'est bon, je vais jouer, tranquille. Alors que finalement, Sampaoli n'a pas fait jouer tant que ça. Et j'ai l'impression que ça l'a achevé presque. Et en fait, ça dit beaucoup de choses que Sampaoli n'ait pas fait jouer. Quoi. Parce que Sampaoli, c'est aussi, il me semble, le sélectionneur qui lui a offert sa seule sélection en équipe nationale d'Argentine. Mais le mec, il a dû trouver le joueur qu'on voyait sur les terrains, c'est-à-dire un fantôme, un mec qui...
voilà, qui ne poussent pas forcément. Forcément, ce n'est pas facile de jouer quand ta Payet est au 20 de l'autre côté, etc. Mais il a trop subi les événements, quoi. Il aurait pu se dire aussi, rapidement, avoir une discussion, se dire l'année prochaine, comment ça va être. Il savait très bien qu'il y en avait plein qui allaient partir, quoi. Il aurait dû déjà montrer que lui, il avait envie pour être prêt la saison prochaine. Et puis voilà, le contre-exemple à ça, c'est Gignac. Gignac, il a commencé, il a fait deux saisons très moyennes, voire médiocres. Et après, il a joué dans un OM très défensif qui était l'OM d'Elibop. Il avait marqué 13 buts cette saison-là en championnat. Yacine va me corriger, mais il me semble que c'était 13. La saison d'après, il en met 16 et après, il en met 24 avec Bielsa. Mais c'est un mec, en fait, qui s'est rebellé. Et en fait, Benedetto, il n'y a aucune rébellion. Moi, je suis vraiment déçu parce que vraiment, je l'ai vu à son top à Boca. C'était un super joueur. Mais là, on a récupéré la moitié du joueur. On l'a vu par bribes sur certains matchs au début, quand il arrivait quand même. Son côté participer au jeu, tout ça. Moi, le petit regret que j'aurais, j'aurais aimé le voir jouer avec Under et Conrad et Payet derrière. Ouais. Mais il aurait pu. Alors, s'il ne l'a pas fait jouer, c'est qu'il avait ses raisons. C'est peut-être qu'il sent que le joueur est plus concerné ou qu'il n'a plus les qualités peut-être pour jouer à l'Olympique de Marseille dans ce système. Je ne sais pas. C'est l'entraîneur qui a certainement raison. Mais le petit regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir vu avec de véritables ailiers capables d'éliminer, de centrer en retrait, comme on peut voir deux matchs qu'on a pu voir ces dernières rencontres en championnat, les deux premières journées. On a vu que Conrad et Under étaient prêts à déborder et à centrer, et Payet a passé des bons ballons. Mais il a joué une mi-temps quand même à Montpellier, mais c'est vrai que La mi-temps qu'il a pu faire à Montpellier, ça a déclenché plusieurs solutions. S'il ne le met pas titulaire dans cette équipe-là, c'est qu'à l'entraînement, il n'est pas convaincu par ce que propose Benedetto dans l'attitude, etc. Je ne vois pas d'autre explication. Mais même à Montpellier, moi, en fait, c'est vrai qu'il a proposé des choses, parce que de jouer avec un avant-centre, ça change. Il avait un semblant de bonne volonté, mais juste un semblant, j'ai l'impression. Moi, j'étais choqué par cette frappe-là qui fait un moment où Under déborde et lui donne le ballon, et il ouvre son pied comme ça. Il rate complètement. Ouais. Même moi, je ne l'ai fait pas, celle-là, au five, et pourtant, je sais que je fais des frappes moisies. Mais celle-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis après, il a un autre ballon en profondeur. Je pense que finalement, il est signalé hors jeu ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de conviction, qu'il y va un petit peu. En fait, et ça, c'est peut-être aussi dû au fait qu'il ait perdu confiance, parce que l'une de ses forces, c'était la spontanéité. C'était un mec qui tentait des frappes, qui tentait des choses, qui était plein de spontanéité. Et en fait, à Marseille, il a complètement perdu ça. Ça fonctionnait pas. Je repense, je sais pas pourquoi, à sa volée contre Saint-Etienne, quand Sampaoli est déjà là. Il fait une espèce de volée. Et en fait, sa volée peut être belle, ça peut faire un beau but, mais comme le gardien la sort, on dit il a encore joué ça en dilettante, il le fait pas très bien. Et en fait, je pense que tout s'est accumulé et que lui, il a pas eu la force mentale pour aller contre ça. Et au final, c'est une déception parce que tu arrives à l'OM. L'OM, c'est dur. Il faut te montrer, surtout au prix que tu as été payé, surtout avec ton expérience, il faut que tu montres que tu es mieux que ça, quoi, que tu es plus que ça. Mais je pense que dans sa tête, il était déjà parti. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je pense que là, il était déjà parti. Ouais. Et on attend plus de caractère d'un joueur, surtout comme lui. Alors, je vais vous couper, messieurs, parce qu'on a un invité qui va arriver. Ah, parce que maintenant que Benedetto n'est plus là, qui pour venir le remplacer? Alors, il y a beaucoup de noms, on a entendu parler de Delors, Giovanni Simeone. Mais là, on va parler un peu de Sorloth, mais surtout de Hugo, jeune attaquant nigérian qui appartient à Chelsea. Et l'OM pourrait faire un sale coup à Gang, peut-être. Et on va accueillir Florian Holzbeck, notre ami. Est-ce que tu nous entends, Florian? Oui, je vous entends parfaitement. Parfaitement bien, bon, c'est parfait. Bienvenue, merci d'être disponible encore une fois. Avec plaisir. J'ai écouté un peu le début. Bon, je ne suis pas en noir, j'ai pas mis une chemise, donc je ne sais pas si je devais m'adapter au code vestimentaire aujourd'hui. Tu es en liberté totale, il n'y a pas de pass sanitaire pour venir ici, Florian. Tu viens comme tu es. C'est parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de cette histoire avec donc ce jeune attaquant nigérian, Aike Igbo, si je ne dis pas de bêtises. Igbo ? Igbo, il me semble. Ouais. Donc qui a fait une énorme saison en Belgique la saison dernière. Oui, c'est 16 buts en 32 matchs dans une équipe qui a joué à la relégation jusqu'au bout. Donc c'est pas mal niveau statistique. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Normalement, le joueur devrait être déjà à Genk. Ça, c'est quelque chose qui est normalement fait depuis maintenant quelques semaines. Le vrai problème de Genk, c'est que ils ont choisi de prendre Ugbo à la place de Paul Onuachu, qui est le meilleur buteur du championnat la saison dernière. Seulement, lui, il est toujours là parce que personne n'en veut, ou plutôt, personne ne veut mettre le prix que demande Genk. Et son début de saison ne l'aide pas non plus à partir. Donc, c'est un petit peu
rester comme ça dans les starting blocks, je dirais, pour le transfert de Hugo, ce qui fait que c'est pas étonnant de le voir cité dans d'autres clubs. On a parlé d'autres clubs belges aussi, notamment Anderlecht il y a quelques semaines, c'est tombé à l'eau aussi. Mais voilà, son nom est cité maintenant dans plusieurs clubs. Voilà un petit peu où ça en est à ce niveau-là. De toute façon, c'est un transfert sec, je pense, qui se prépare, puisque le jeune joueur n'a plus qu'un an de contrat, je crois, avec Chelsea. Là, j'ai vu passer des trucs avec l'histoire de Maëlle l'année dernière, comme une vengeance de Longoria. C'est un peu tiré par les cheveux, quand même, tout ça, non? J'espère quand même pour Longoria qu'il a autre chose à faire que de se venger de Genk, même si Genk n'avait pas été très correct. Je pense vraiment qu'il y a autre chose derrière, il y a un vrai profil. Du côté de Hugo, une vraie valeur ajoutée et une vraie opportunité sur le marché des transferts aussi, parce que le garçon voilà, coûte entre 3,5 et 4,5 suivant le prix que le club va mettre, suivant toutes les options qui seront rajoutées. Donc il y a une vraie opportunité au niveau du marché des transferts par rapport à ce jeune joueur. Juste nous parler un peu de son profil, parce que moi, je t'avoue, je le connais pas. C'est quoi comme type de joueur que... Il y a quelque chose de très important avec lui et qui m'a beaucoup marqué la saison dernière, c'est qu'il joue tous les matchs. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça de le dire, mais quand je dis il joue tous les matchs, il joue titulaire tous les matchs, 85, 90 minutes. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui est vraiment fit, qui est très, très bon. C'est quelque chose d'important. Ensuite, c'est un homme de rectangle. Si vous regardez un peu ses vidéos, vous allez pouvoir en trouver, je suppose, sur YouTube. Mais c'est quelqu'un qui traîne toujours dans le rectangle. Et je le compare souvent, toute proportion gardée, à Michy Batshuayi, parce qu'il n'est pas fort physiquement. Il n'a pas spécialement de vitesse non plus. Mais alors, il est tout le temps devant son défenseur. Tout le temps, pied droit, pied gauche, de la tête. Il est tout le temps disponible dans le rectangle. Et il sait où le ballon va venir. On sent qu'il y a quelque chose chez lui qui l'envoie vers si un ballon qui traîne, c'est pour lui. Ça vient alors pied droit, pied gauche. Il a toujours le geste juste. S'il faut contrôler, il contrôle. S'il faut frapper fort, il sait frapper fort. Il sait très très bien évaluer tout ce qui peut se faire dans le rectangle. C'est pas un créateur. C'est-à-dire qu'il faut pas l'inclure dans un système de jeu. Il va pas participer beaucoup. Il va pas combiner. Mais par contre, voilà, comme je dis, la prise de décision dans le rectangle, c'est très très fort. Si un ballon qui traîne, c'est but. Et alors, il travaille énormément pour l'équipe. Le contre-pressing, lui, il va le faire très très vite. Le ballon est récupéré, il va faire les 2-3 mètres qu'il faut pour empêcher l'adversaire de relancer. Ça a été vraiment apprécié du côté du Cercle de Bruges, où il a clairement sauvé l'équipe la saison dernière. Okay. Nico, oui, si je peux te poser une question, Florian. Donc tu nous confirmes que c'est pas vraiment un attaquant de vitesse, de profondeur, de rupture. C'est pas vraiment ça, lui. C'est quelqu'un, voilà, comme tu dis, dans le rectangle, qui est là pour terminer, pour travailler pour l'équipe. Mais c'est pas quelqu'un qui passe derrière la défense, quoi. Bah, il peut faire des appels dans le dos, mais alors c'est vraiment à 20 mètres des buts, pas à 50 mètres ou à 40 mètres. Si vous jouez bloc bas avec lui, il va pas faire l'appel en profondeur pour aller soulager son équipe. Non, il va plutôt décrocher, il va plutôt jouer dans les pieds. Maintenant, si vous jouez à 20 mètres, il peut faire l'appel derrière la défense pour venir apporter un petit peu de profondeur dans les petits espaces. Mais pour être clair, ce joueur, de mémoire comme ça, je ne me souviens pas l'avoir vu faire 6, 7, 8 touches de balle. Non, c'est plutôt un contrôle, une passe, un contrôle, une frappe sèche. Voilà, c'est plutôt un homme qui ne garde pas énormément le ballon, mais qui fait jouer... Qui va directement rendre le ballon, quoi. Il va pas construire à 50 mètres des buts. C'est en ça que je le dis. Je pense qu'on vient de dire ce que tu nous expliques là, c'est plus un renard des surfaces en fait. C'est un garçon qui lui est dans la zone de vérité. Ce qui lui importe le plus, c'est de marquer des buts, de faire gagner son équipe et surtout c'est un chasseur, quoi. Et c'est ce qu'on recherche aussi. On ne va pas demander à un avant-centre, un attaquant de pointe, de venir défendre aussi. Si lui, il est très efficace devant, pas besoin de demander plus. Après, il y a l'équipe qui est constituée autour de lui pour pouvoir savoir défendre. En fait, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et pour avoir vu les deux premiers matchs de Marseille cette année, je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment toujours être à la bonne place sur un centre en retrait, qui sait faire le pas en retrait pour être bien mis
Comme je dis, c'est très bien s'extirper du marquage. Vous avez une caméra isolée dessus, vous verrez toutes les 2-3 secondes, il regarde à droite, à gauche. Il sait toujours où il se situe. Il sait toujours s'il est loin de son défenseur, s'il doit faire un pas, s'il doit reculer. Il sait toujours se mettre libre dans les petits espaces. Ça, c'est une qualité. Je dis qu'on retrouve aussi chez Michy Batshuayi, qui est un peu comme ça. Voilà, on ne le voit pas, il ne fout rien, mais on sait que s'il y a un ballon qui traîne, il va la mettre. C'est vraiment un peu le même genre de joueur, sauf que Hugo est un peu plus sérieux, je veux dire, dans son extra faute, si je puis dire. En fait, ce que tu es en train de nous décrire là, moi j'ai connu des attaquants, contre qui j'ai joué ou avec qui j'ai joué, dans ce domaine-là, dans ces qualités-là, qui sont Bernard Lacombe, qui a été meilleur buteur du championnat de France, et des Lyonis. Bon, c'est plus vieux, mais ce sont des joueurs de surface, des joueurs qui sont emmerdants pour les défenseurs, et qui sont toujours à l'affût d'un ballon qui traîne. Pour conclure, en fait. Mais ça a été chaque fois des meilleurs buteurs du championnat. Donc ce type de joueur-là peut, je dirais, arranger l'attaque marseillaise. Parce qu'on sait que sur les côtés, ça va vite, ça bouge énormément, Payet est capable de donner le ballon où il faut au dernier moment, dans la dernière passe. Et lui, s'il se retrouve dans la surface de vérité, ben voilà, c'est ce qu'on lui demande. Je pense que c'est le joueur qui peut-être déclencher, quand tu as l'impression que l'OM est à l'envers, un ballon qui va traîner, mettre un but et gagner 1-0. Quoi, voilà. Il est jeune, on rappelle, il a 22 ans, et comme tu le disais, ça ne va pas coûter trop cher. Donc comme doublure de Munich, ça paraît intéressant. Et puis Genk avait pris l'habitude de bien recruter aussi, donc s'ils l'ont ciblé, c'est peut-être pas un hasard. Tu confirmes, toi, Genk, ça recrute bien? Ça recrute avec toujours une possibilité de plus-value. Ça, c'est toujours la force de Genk. Ils ont acheté des garçons pas très très chers, qu'ils ont vendus beaucoup plus cher. Je vais citer Malinovski parce que je sais que Mourad aime bien. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple typique des transferts de Genk qui ont acheté un gars à 3-4 millions, mais ils savent très bien qu'après une saison et demie, deux saisons, ils partent pour 12, 13, 14, voire même parfois plus. C'est ce qu'ils espèrent ici avec Paul Onuachu, qui est un attaquant nigérian qu'ils n'ont pas acheté très cher. Je pense qu'on est à 3 millions, mais ils ont refusé des offres à 14-15 parce qu'ils espèrent en avoir 20. Je ne pense pas qu'ils les auront, donc à un moment donné, ça devra se déclencher. Mais voilà, c'est vraiment le coup typique de Genk de dire ben voilà, on trouve quelqu'un avec qui on va faire une plus-value financière. Mais en plus, dans le transfert entre 3 et 4 millions d'euros, je veux dire, c'est jouable, quoi. C'est pas une grosse perte. Tu peux tenter un coup. Le joueur est jeune. Si ça flambe, comme il vient de nous dire, ça peut partir à une vente extraordinaire. Et puis surtout, ça peut rendre beaucoup, beaucoup de services. C'est des joueurs qu'on apprécie ici en France. On cherche des buteurs. À l'Olympique de Marseille, on a toujours aimé les grands buteurs. S'ils rentrent dans cette race-là de buteurs de l'Olympique de Marseille, pourquoi pas? C'est intéressant. Bon, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même d'autres noms. Et il y a un autre joueur que tu as un peu vu passer, pas très longtemps, je crois. Il y a joué que 6 mois, je crois que c'était à la Gantoise. C'est Alexander Sørloth, l'international norvégien. Tu te souviens un petit peu de son passage, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Parce que nous aussi, pareil, on ne le connaît pas trop en France. Je m'en souviens, oui, mais pas pour les bonnes raisons. Mais tout n'est pas de sa faute, on va dire, dans la mesure où il a été transféré à Gand, donc en prêt, donc il venait de Crystal Palace. Oui, il jouait, hein. Il n'était pas avec la réserve, il était avec l'équipe première, il avait des minutes en première ligue, donc c'était un gars qui comptait dans le noyau de Palace. Il est arrivé à la Gantoise parce que c'était Gjesterup, l'entraîneur norvégien, donc qui était à Gand à ce moment-là, et lui, dans son noyau, il n'avait pas vraiment d'attaquant de pointe, alors il voulait avoir une pointe, voilà, pour qui il allait amener des centres, des ballons, etc. Le vrai problème, c'est que pendant la pause hivernale et pendant le transfert de Sørloth qui est arrivé en prêt, il y a un garçon qui s'est révélé, que vous connaissez très très bien, qui s'appelle Jonathan David, et qui est venu secouer un peu le bazar. Du coup, il fallait de la place pour David, il fallait de la place pour Yeremchuk, toujours pour notre ami Murat, qui aime toujours très bien. Et il s'est retrouvé là comme ça, au milieu du jeu de qui. Parce que Torup voulait jouer en 4-2-3-1, il y avait un ailier gauche qui s'appelle Dompé qui était donc à gauche, David pouvait jouer dans l'axe mais on sait qu'il allait à droite et à gauche, et le but c'était de mettre Sørloth en pointe et Yeremchuk du côté droit. Sauf qu'on sait très bien que l'ami Yeremchuk, si on lui dit va du côté droit, s'il a envie d'aller à gauche, ben, il va à gauche, s'il a envie d'aller dans l'axe, ben, il va dans l'axe. Donc il y avait un vrai déséquilibre, donc le pauvre Sørloth s'est retrouvé dans une espèce de soupe où on le plaçait un peu côté droit, un petit peu dans l'axe. Mais le gaillard, il fait 1m91, 1m91, il fait 95 kilos, c'est un bon gros bébé.
vous l'imaginez bien que sur le côté droit, s'il doit faire une course diagonale pour venir dans le rectangle quand il y a un centre, quand lui, il arrive dans le rectangle, je pense que le stade, il est fermé, les buts sont tirés, les poteaux de corner, ils sont dans l'armoire. Donc, ça a été vraiment ça son problème. Et ses meilleurs matchs avec Gand, ben, c'est quand il manquait quelqu'un dans le quatuor offensif et qui pouvait vraiment jouer en pointe. Quoi. Donc, maintenant, c'est un homme de rectangle. Et contrairement à Hugbo, il est beaucoup plus puissant, il est plus grand, il va gagner des duels, il s'impose, il est costaud. Et lui, il sait garder vraiment un ballon dos au goal en jouant avec son corps, en jouant avec son physique. Donc ça reste quand même quelqu'un qui peut attendre des centres. Voilà, ça c'est clair. Il suffit de voir un petit peu ce qu'il a fait après en Turquie. Il a quand même mis plus de 30 buts en Turquie. Pourquoi ? Parce qu'on bazardait de centres. Il en avait 15, 20 par match. Il y a bien qui venait sur sa tête. Le duel était gagné et il aidait son équipe. Donc finalement, c'est deux profils similaires parce que ce sont deux gars de rectangle, mais ils ne seront pas utilisés de la même façon. C'est-à-dire que sur l'autre, il va faire un petit peu le ménage. Et Hugbo, ben, il est un peu plus malin, il est un peu plus filou comme ça. Hugbo, c'est le genre de gars où on va dire, on le voit pas, et son défenseur va se dire, ouais, je l'ai mis dans ma poche parce qu'il touche pas de qui. Et puis d'un coup, il va mettre un goal et on va dire, ben, tiens, finalement, il a marqué. Sur l'autre, par contre, lui, il va déménager, il va pousser, il va gratter des fautes aussi, ça c'est très important. Et surtout, il vient défendre sur les coups de pied arrêtés. Quand on a un beau bébé comme ça, on le met au premier poteau et en général, on sécure quand même une belle petite zone si on défend en zone en corner défensif. Par contre, je disais tout à l'heure avec Hugbo, il va se battre quand il perd la balle, il va se battre pour l'équipe, il va empêcher la relance, il va faire le contre-pressing. Par contre, sur l'autre, faut pas attendre ça. Lui, le ballon, il est perdu. Il y en a 10 derrière qui vont défendre pour lui. Ça ne le tracasse pas trop. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche pas à Leipzig. On va pas se mentir. S'il y a bien une équipe, quand même, en Europe, qui utilise beaucoup le contre-pressing, à part Liverpool, c'est Leipzig. Et voilà, de ce côté-là, c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment, ça n'a pas vraiment fonctionné du côté du club allemand. Quoi. Et c'est pour ça qu'ils n'en veulent plus et qu'ils essayent de s'en débarrasser. Et apparemment, parce que donc hier, je parlais sur Twitter dans un space avec David Lorto de RMC qui nous disait aussi ce qui l'a surpris, c'était le comportement que donc Sorloth était un joueur qui s'énervait vite. Là, on voit son père qui dit oui, il est parti à 150%. Enfin, que c'est quelqu'un qui était aussi, qui pouvait être difficile à gérer humainement. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de problèmes de sa gestion émotionnelle ou en tout cas hors terrain en Belgique? Oui, d'ailleurs, quelque chose qui était très clair à l'époque, c'est que s'il était sur le banc et qu'il rentrait, c'est vous jouiez à 10, quoi. Il ne savait jamais se transcender, il râlait parce qu'il était sur le banc et ce n'était pas un gars qui pouvait tourner le bouton et dire « Allez, il me reste 20 minutes pour me montrer, j'ai montré au coach que j'ai tort, c'est plutôt « T'as pas voulu me faire jouer, tu vas voir, je vais continuer à pas jouer, je vais te faire chier. » C'était plutôt ça. D'ailleurs, pour finir, Torup l'alignait même quand il était vraiment très très mauvais. Parce que bon, en Belgique, vous savez, on a des playoffs pour désigner le champion et Gand, à l'époque, était dans les playoffs. Ils ont fait des mauvais playoffs en grande partie à cause de Sorloth parce qu'il faisait pas son travail, il faisait rien. Et voilà, Egan a eu quelques petits blessés aussi. Jonathan David s'est blessé, mais bon, il n'était pas bon, mais il le mettait quand même. Et il a marqué. J'ai ma petite anti-sèche. Ici, 4 buts en 19 matchs. C'est très, très peu dans une équipe offensive avec Kerem Chouk, avec Jonathan David. Et c'est une équipe qui a flambé. Et voilà, lui, il arrivait. Il avait vraiment du mal à se mettre un petit peu dans le mood. Et je crois que le fait qu'il soit prêté et qu'il s'est dit « je m'en fous, de toute façon, je me casse dans 3 mois, 6 mois », il a eu très très vite des contacts avec des clubs turcs alors qu'il était toujours en Belgique. Donc ça lui a directement sorti de la tête. Et Gand a fait des mauvaises fins de saison, en grande partie aussi à cause de lui. Ce n'est pas vraiment la bonne mentalité. Et je suis quand même aussi étonné que l'Olympique de Marseille... Ouais, cible ce genre de joueur. Je peux pas dire que j'y crois pas parce que vous êtes mieux placé que moi pour ça, mais je pense quand même que ça fait plus partie d'une opération séduction du joueur qui veut se replacer quelque part et qui sait qu'à l'OM, si on cite son nom à l'OM, ça va attirer des regards. Et je pense qu'on est plutôt là-dedans parce que ça c'est que mon avis personnel. Hein, voilà, si demain il signe à Marseille, venez pas me dire sur Twitter. Tu t'es trompé, mais bon voilà, peut-être sont des choses qui arrivent, mais bon voilà, moi, entre les deux, sincèrement, je prendrais Hugbo. Okay. C'est un joueur qui... On a bien compris, je pense. D'abord parce que pour l'acheter... Déjà dans la mentalité, vous êtes en train de nous dire, les supporters marseillais,
ça ne plaît pas du tout. Ouais. Ce style de comportement... Après, peut-être qu'il peut évoluer. Hein, peut pas... Oui, oui, mais ce style de comportement... C'est ce qu'il a fait en Belgique, en fait. C'est pas ce qu'on aime ici, quoi. Mmh. Où on aime et des garçons qui aiment après, se battre, qui aiment se révolter. Si tu mets 30 buts comme en Turquie, tu sais, on a tout oublié. Oui, mais en Turquie. En Turquie. Donc, le championnat de France est quand même beaucoup plus élevé. Je ne connais pas toutes les qualités de ce joueur-là. Mais déjà, dans la mentalité, il faut que tu rentres dans le système marseillais, dans l'engouement marseillais, dans l'ambiance marseillaise, de te battre. Tu as dû mouiller le maillot. Si lui, il ne mouille pas et qu'il pense qu'à claquer, et que par moment, eh bien, il ne marque pas, ça risque de grincer pour lui. Et en plus, parce que Florian parlait des play-offs, donc Yaremchuk devait être motivé pour les play-offs. Bon, le championnat régulier, pas sûr, mais pour les play-offs, il devait être motivé. Et ne marquer si peu de buts à côté de Yaremchuk, c'est une honte. Hein. Franchement, normalement, tu marques tout seul. Quoi. Le ballon, il arrive, tu ne sais même pas comment. Tu es dans la surface, tu es démarqué, tu es en jeu. On ne peut pas faire totalement confiance à Mourad, parce qu'il a du parti pris, forcément, sur ce genre de joueur. Mais effectivement, j'ai envie de te remercier, Florian, parce que c'est toujours un éclairage hyper sympa avec toi. C'était encore chirurgical. Merci. Merci à toi, en tout cas. Ouais, merci. Et voilà, merci à très bientôt, quand il y aura d'autres rumeurs, parce qu'il y en aura d'autres. Hein, et avec Gang, c'est pas fini, l'histoire d'amour. Non, non, je pense que il y aura encore des comptes qui vont se régler dans le futur. Pas de problème. Ça marche. Enfin, merci à vous pour l'invitation, comme d'habitude. C'était très sympa. La prochaine fois, je mettrai une chemise. Ça marche. Prochaine fois, chemise ou t-shirt noir. Hein. Tu sais, le code couleur, c'est comme ça. OK. Allez, merci Florian, à bientôt. Merci, comme d'habitude, au top. Merci, bonne soirée, bonne émission. Ciao. Bon voilà, donc on a un peu vu les deux prévus, c'était explications. Intéressant quand même. C'est vrai qu'il nous l'a bien vendu quand même, le Hugbo. Hein, j'avoue, profil jeune, qui se bat, qui se cache un peu à la Pipo Inzaghi. Tous ceux qui nous écoutent là, ils vont se dire, oh, celui-là on le veut. Voilà, après, c'est ce qu'il a fait la saison dernière. Ouais. Et en fait, oui, ça confirme, parce que donc hier, quand David Lorto faisait la description de Sorloth, il disait aussi, oui, bon, donc c'est pas un attaquant de pointe qui va amener de la profondeur, etc. Donc quand Florian parlait de Igbo, au début, je me disais, ah oui, il y a quand même des similitudes avec ça. Et après, la différence, c'est que Sorloth, en fait, les échos qu'on a de lui, ils sont quand même pas très positifs, parce que c'était aussi une chose sur laquelle, hier, il avait insisté en disant, il y a quand même eu des gros problèmes, enfin, pas des gros problèmes, mais en tout cas, au niveau de son... De la gestion, voilà, comment dire, au niveau de sa mentalité, c'était souvent ronchon, c'est un mec qui s'énerve vite, etc. Et là, on nous dit aussi que, des fois, il en avait rien à foutre. Qui défend pas forcément beaucoup. Et le contre-pressing dans l'équipe de Sampaoli, c'est très important. Donc, je comprends. Et en tout cas, il y a des similitudes au niveau du profil. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche pas, on n'a pas ciblé un attaquant de profondeur, on cherche plutôt un mec qui va être là pour terminer les actions et pour aider l'équipe à défendre. Mais en tout cas, voilà, on cherche pas une pointe, on cherche pas un attaquant de profondeur parce qu'on a. On cherche pas Bambadieng, je vais y arriver. T'as un attaquant de profondeur. Lui qui peut prendre la profondeur. Mais il y a l'autre rumeur quand même que l'équipe a un peu lancée. C'est pas vraiment une rumeur en fait. L'équipe a expliqué que Andy Delors se verrait bien à l'OM. Et que pour l'instant, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de négociation. Mais que le joueur, lui, se verrait bien aller à l'OM. Quoi. Il n'y a pas de contact, mais il se verrait bien venir ici. Bah, peut-être qu'il y a des contacts. Moi, je me verrais bien coach adjoint à l'OM. Moi, je me verrais bien. Andy Delors, c'est une vraie recrue. Mais toi, tu aimerais bien Andy Delors à l'OM? Ah, moi, j'aime Andy Delors. J'aime ce joueur-là. Le tempérament, le buteur, l'agressivité, c'est un joueur qui me rappelle Gignac en fait, qui motive ses partenaires, qui est jamais déçu, qui a tout le temps envie de tirer l'équipe vers le haut. Lui, il va défendre. Même, voilà, alors lui, il défend, il attaque, il marque des buts, il en fait marquer, il est spectaculaire. Voilà, j'aime ce style de joueur, ce style d'attaquant. Logiquement, il va pas se laisser bouffer, un peu comme Benedetto, ce dont on parlait avant. Mais par contre, moi, je trouve que oui, il rappelle un peu Gignac, mais en moins bien. Parce il n'a pas réussi, on peut rappeler quand il est allé à Gignac, d'ailleurs, au J'ai pas envie d'utiliser des trucs, genre dire, Gignac de Wish, etc. Parce que c'est pas ça. Il a quand même du respect, et il faut quand même avoir du respect pour sa carrière, parce qu'il réussit quand même des choses. Il fait de belles choses à Montpellier, à Caen aussi. Encore une fois, je me souviens avoir écouté ce podcast sur le préparateur mental de Caen qui, quand il s'était sauvé, il avait dit Andy Delors, il faisait beaucoup de bien à l'équipe parce que toute l'équipe voyait qu'il y avait un mec qui se défonçait pour eux devant, donc ça leur faisait du bien. Et après, quand il est parti, qu'ils l'ont remplacé par Santini qui marquait des buts, l'équipe, elle en a souffert psychologiquement parce que le mec, il marquait des buts, mais il foutait rien. Donc, Andy Delors, il a des qualités, c'est certain. S'il vient à l'OM, je l'accueillerai les bras ouverts, mais je me
nous dirait « bon, il y a quand même des chances que ça rate parce que je pense que la marche est trop haute ». Je pense qu'en fait, Montpellier, c'est un peu son plancher. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, après, je ne suis pas contre. Franchement, s'il vient, je ne suis pas contre. Mais je pense que l'OM, c'est un peu haut. Et qu'en plus, comme il a un peu un caractère bouillonnant, il peut exploser en vol à Marseille parce que ça peut le faire exploser. Il a mûri quand même. Hein. Il a quand même assez mûri aussi dans son jeu, dans son comportement. C'est pour ça que je te rejoins sur certains points. Mais là-dessus, je pense que l'expérience lui a permis aussi de voir le football différemment. Alors, c'est vrai, quand il est parti au Tigres, du côté du Mexique, avec Gignac... Il n'a pas donné toutes ses capacités, toutes ses qualités, parce qu'il y a eu un problème familial aussi, il faut le savoir. Il a voulu, sa femme voulait revenir en France, ne voulait pas rester au Mexique, d'après ce que j'aurais compris. Donc c'est pour ça que ça n'a pas très bien marché. Mais depuis qu'il est revenu en France, je pense que la marche de l'Olympique de Marseille n'est pas trop haute. Il y a eu Toulouse avant où ça a, pas, ça a été vraiment mi-figue, mi-raisin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, après, voilà. Moi, il y en a qui arrivent sur le tard aussi. Hein. Je ne suis pas contre, mais c'est aussi quelqu'un qui arrose, quoi. C'est-à-dire qui frappe 15 fois et qui marque un but splendide, sur les 15 fois où il tire, il y a un but qui est splendide. Et si on a vu que le résumé, etc., on va se dire waouh, putain, trop fort de l'or. Y en a 5 où, si t'es supporter, t'as envie de lui arracher la tête, parce que il y avait ton partenaire juste à côté, et puis il y en a 3 ou 4 aussi, c'est un peu dératé. Bon, je suis pas ultra enthousiaste sur Andy Delors, mais s'il vient, je l'accueillerai volontiers en me disant bah si ça fonctionne, ça peut être génial. Voilà. J'avais connu d'autres aussi qui ont tiré un petit peu à droite, à gauche, le JPP quand il est arrivé. Ouais. Bon. Bon, après, il a rectifié son tir, effectivement, il a été ballon d'or. Mais rappelle-toi quand même que JPP... Même Gignac, tu vois, parce que Gignac... Même Gignac, tu fais. Mais sauf que Gignac, pour moi, c'est au-dessus. C'est au-dessus de Delors, tu vois. Après, moi, j'entends ce qu'il veut dire par le côté caractère, etc. Moi, la question que je me pose, c'est... Il est titulaire avec, quand même du soutien, une deuxième pointe quasiment avec Laborde à Montpellier. Là, il va venir à Marseille, sachant qu'il y a Milik. Et sachant que, clairement, ça, à partir de septembre, chose, voilà. Il sera plus titulaire. Donc, Le bémol, il est là. Moi, j'imagine, on en parle beaucoup à Nice aussi. Hein, on en parle beaucoup. Je pense qu'à Nice, il y a peut-être plus de place. Christophe Galtier, il a déclaré. Il peut jouer plus sur un côté. Mais voilà, la question, elle est là. Voilà. Pour l'instant, c'est juste l'équipe qui affirme que le joueur serait intéressé par le projet. Ça va pas plus loin. Puis là, on nous a vendu quand même un petit Hugo qu'on a bien envie de voir. Ça y est, on est en mode fan de Hugo. Alors qu'on, en fait, Delors, le transfert qu'il fera, ce sera pour jouer titulaire. Je pense que ce ne sera pas pour jouer. Ça paraît compliqué, voilà. Avec Milik. Bon, on va passer à d'autres choses parce que je vois l'heure qui tourne. Et il faut qu'on avance. Et je pense qu'on va faire sauter le petit débat Mandanda. Déjà, je te le dis tout de suite, Ryan. on va parler de Lirola parce que Lirola, ça va enfin se faire, a priori. Attends, c'est proche, non? Les positions se rapprochent, il me semble. Je pense que Lirola, ça se confirme. Ça se confirme. Ça se précise. Ça se précise. Ça se précise. Attention, ça se précise. D'accord. Mais blague à part, parce que c'est vrai que ça fait quand même 3-4 semaines que ça se précise. Ou 3-4 mois. Non, bah avant c'était ça va se faire, machin. Là, ça se précise. Là, on peut un peu plus y croire parce que son remplaçant est en train d'arriver, a priori, avec Zappa Costa. Et si l'OM commence à libérer un peu de masse salariale, etc., ça pourrait effectivement se préciser. Mais ce qui est intéressant avec Lirola, bon, finalement, ça va se payer, a priori, le prix de l'option d'achat. On parle de 12, voire 13. On a parlé d'un prêt, d'un nouveau prêt avec option d'achat obligatoire. Donc bon, ça, c'est la tambouille interne. Mais le fait est que j'ai l'impression que ce joueur, c'est quand même le chaînon manquant, parce que Milik est déjà là, pour trouver un équilibre un peu différent dans cette équipe. Et je suis surpris que ça mette autant de temps à arriver, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mourad ? Il a satisfait Sampaoli très vite sur le reste. Ouais, mais c'est le tarif. C'est le tarif. Bon, tu as donné la parole à Mourad, pardon. Excuse-moi, vas-y, Mourad. Vas-y, j'en charge. Mais je pense que ce qui retarde l'échéance, c'est pas la qualité du joueur, c'est le tarif. Je trouve que pour un défenseur, 12-13 millions d'euros, c'est quand même assez élevé. Tu vois, parce qu'on sait que le défenseur fait beaucoup d'efforts pour venir à l'Olympique de Marseille et il prie son club, Florentina, de le laisser partir pour venir à l'OM. Il fait le forcing même. Hein, ouais. Et je pense que les 12 millions ou les 13 millions d'euros, c'est ce qui fait la difficulté de ce transfert. Parce que c'est quand même pas donné du tout. Ils vont les payer. Qu'on le veuille ou non, même si c'est un bon joueur, rappelez-vous, la saison passée, on disait Lirola d'un côté, Amavi de l'autre, ça, c'est des pistons. Là, la donne a changé quand même. Là, on parle, tu en parleras certainement, d'Amavi un petit peu plus tard. Donc là, ça serait aussi dans le cas échéant où Camara, peut-être, tu en parleras aussi,
devra partir. Oui. Donc, ça, c'est prévu, normalement. En fait, ça dépend un petit peu de beaucoup de joueurs, en fait. Pas que de Lirola. Mm. Parce que le transfert est élevé. Ça dépend de ce qu'on va vendre, ce qu'on va pouvoir transférer ou prêter pour que Lirola puisse venir. Mais je suis d'accord avec toi. Le système tactique qu'on avait avec Sampaoli pendant quelques mois, avec deux pistons, où on se disait, c'est bon, de toute façon, la saison prochaine, on aura, à ma vie, Lirola sur le piston, et là, c'est fini. Il a disparu complet, et on le voit même plus où il pourrait jouer aujourd'hui. Si, à la place de... Enfin, c'est le remplaçant de Juan Pérez. Mais est-ce que tu es convaincu par cette idée-là? Moi, j'en suis pas du tout convaincu. Non, moi non plus, je ne suis pas... Sauf qu'il n'a pas du tout le profil pour jouer stopper gauche. Et côté droit, finalement, maintenant, tu as trouvé un équipe un peu bancal, entre guillemets, avec Camara, et avec l'arrivée de Lirola, qui va sauter? C'est la question qu'on peut un peu aussi se poser, Mourad. Ça peut peut-être aussi être le... Comment dire? Parce que je pense qu'il y a beaucoup... Il y a une histoire d'asymétrie dans le système actuel. Mmh. Donc déjà, il y a aussi la possibilité d'un changement de système avec Lirola. Parce que ce qu'il avait dit exactement, Sampaoli, en conférence de presse, lorsqu'on lui avait plus ou moins dit est-ce que l'arrivée de Lirola changerait, c'est... selon les joueurs que j'ai à ma disposition, etc., je fais un système. Donc oui, si j'ai un arrière-droit, que ce soit Lirola ou un autre, sans doute que je m'adapterai aussi à leur qualité. Donc c'est l'option 1. Après, l'option 2, si on reste dans ce système-là, tu peux aussi te dire que ça peut être un remplaçant à un Under, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais l'an dernier, le bémol qu'on mettait sur Lirola, c'est OK, défensivement, c'est pas Lilian Thuram, quoi. Par contre, offensivement, c'est pas Lilian Thuram non plus. C'est que le mec, il était très bon offensivement. Donc peut-être que Lirola peut prendre la place d'Under et avoir un peu un volume défensif un peu plus élevé. Et ça te fera deux profils qui seront, selon l'adversaire, tu vois, si tu joues un bloc ultra bas où tu sais que tu vas avoir peu de transitions à gérer parce que les mecs vont dégager comme ils peuvent, peut-être que tu peux mettre Under. Et si tu joues contre Nice ou une équipe un peu plus conséquente, tu peux mettre Lirola. Tu vois, ça peut peut-être aussi jouer comme ça. Dans tous les cas, Sampaoli, il connaît le joueur, nous on connaît le joueur aussi, donc on sait ce qu'on peut en faire. Après, je pense qu'il faut pas non plus s'arrêter sur ce système en se disant que c'est le système ultime. Et il y a autre truc dont on a parlé dans la revue de presse, allez regarder le replay demain sur YouTube. Quand on a parlé de la tactique en se basant sur cet article de Coparena, c'est qu'à la base, il arrive en 3-6-1, Sampaoli, c'est-à-dire que tu n'avais qu'un seul milieu de terrain défensif. Après, il t'a mis un deuxième milieu de terrain défensif qui t'a permis d'avoir de meilleures relances. Et même au début de la préparation, tu jouais avec Enrique et Camara, qui étaient beaucoup plus des latéraux quelque part, mais tu t'es rendu compte qu'en fait, tu gérais rien défensif. Donc c'est pour ça que tu as changé de système, où tu gères certaines choses défensivement. Tu gères moins sur les côtés, mais tu gères mieux l'axe, alors que tu le défendais pas très bien quand tu avais les deux latéraux, quand tu avais Enrique au moins en latéraux. Tu vois, Enrique en latéral, c'était un petit peu dur pour lui. Donc bref, il y a beaucoup de choses à voir. Dans tous les cas, on sait ce qu'il peut apporter, Lirola. On sait qu'il peut être un substitut à Under et qu'il peut aussi nous aider à changer de système si besoin est. Complètement. Et après, juste, c'est vrai que dans l'optique que tu te dis... Il ne changera pas de système, alors qu'on sait très bien qu'il peut changer de système. Dans ce cas-là, tu peux te dire qu'il aurait peut-être pu faire le forcing avant pour récupérer un Vas et déjà avoir un effectif un peu plus équilibré directement et voir après éventuellement ce qui pouvait se faire en fin de mercato. Ça, c'était une petite aparté. Parce qu'il y a un autre dossier qui a été évoqué aussi dans l'équipe ce matin, c'est le dossier Camara. Alors, on sait très bien, on en parle, il aura un accord même avec le FC Séville. Mais maintenant, on sait les clubs espagnols qu'ils sont quand même soumis à un encadrement de la masse salariale. Et clairement, Monchi veut faire un gros coup en vendant Koundé à Chelsea. Je crois qu'il demande 80 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez monstrueux. Oui. Donc, en fait, le possible départ de Camara est un peu lié à ce transfert-là. Donc, ça reste incertain. Et l'équipe, l'information, en fait, explique que Camara serait prêt à partir à Séville. Mais que si ça ne se fait pas, il serait prêt à prolonger d'un an. C'est Foot Mercato, pardon. Merci Ryan qui me reprend. C'est Foot Mercato. S'il ne prolonge pas, il serait prêt à prolonger d'un an afin de partir éventuellement en fin de saison. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça serait quand même une information qui n'est pas anodine, parce que là, depuis le temps qu'on parle d'une prolongation de Camara, c'est-à-dire qu'il ne serait pas fermé à prolonger, mais que d'un an finalement. Ça, c'est l'état d'esprit du joueur. Je pense qu'il est réprochable dans son état d'esprit, puisque bon... Il joue. En fait, déjà, il joue. Et même quand il sort, c'est pas un garçon qui baisse la tête ou quoi que ce soit. C'est un garçon qui donne le maximum de ses possibilités sur le terrain. Il n'a jamais rien dit. Il a toujours été plus ou moins bon dans toutes les rencontres. Mais surtout, il veut aider son club. Mmh. Moi, c'est ça que je retiens. Je retiens que c'est un joueur, on a souvent
pu critiquer, qui ne voulait pas prolonger ou quoi que ce soit. Là, on s'aperçoit et on se rend compte que ce joueur-là veut donner une année supplémentaire à l'Olympique de Marseille, si ça ne va pas cette année, pour que l'Olympique de Marseille puisse encaisser de l'argent l'année prochaine. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux retenir aussi, c'est que l'état d'esprit du joueur est remarquable, mais surtout, ça se transforme par des belles performances sur le terrain. Donc il y a les deux qui se rejoignent et on se dit que ce joueur-là est dans une période de sa vie de joueur où il doit bien réfléchir pour faire plaisir à son club, mais aussi pour son avenir à lui. Donc je crois qu'il a une balance qui est bien équilibrée. Moi, la question que je me pose, Mourad, c'est si il ne peut pas partir à Séville, donc il reste à l'OM un an de plus, prolongation ou pas, avec l'arrivée d'un latéral droit, il aura donc a priori, il devrait quand même plus avoir ce rôle un peu hybride de milieu défensif latéral ailier, là, fait un triangle. Oh, c'est possible qu'il y ait encore un. Oui, c'est possible qu'il y ait encore un moment. Mais du coup, tu le verrais comment, toi, s'il reste à l'OM? Ah, c'est simple. Est-ce que tu le vois prendre la place d'un Pape Gay, finalement pousser Pape Gay sur le banc, ou tu le verrais comment? Je pense pas. Si, parce que déjà, je pense qu'il y a aussi cette possibilité que tu continues à jouer avec Wunder et que donc le deuxième milieu de terrain défensif qui est là quand tu as le ballon pour t'aider à la relance continue à faire le latéral droit en transition. Donc ça, c'est une possibilité d'abord qui existe. Ensuite, Longoria a expliqué qu'il voulait deux joueurs par poste. Donc lui, il peut être un joueur au poste de milieu de terrain défensif et il peut être un joueur au poste de défenseur central. Donc voilà, il va être là-dedans et puis il va se faire sa place. Et je ne l'imagine pas pousser Gay sur le banc. Et puis je ne le souhaite pas non plus parce que Gay, il est en train de prendre beaucoup d'ampleur et je pense qu'il joue au rôle qui lui convient le mieux, qui peut faire en sorte qu'il éclate vraiment au très très haut niveau. Donc j'ai envie de voir ça. Après, parce que quand tu parlais de cette opération avec Séville, ok, donc Monchi, il veut vendre Koundé 80 millions. Donc le Koundé qu'on disait, ouais, mais il n'est pas assez bon pour jouer défenseur central en Ligue 1, hein, Bordeaux. Bordeaux, hein, à Bordeaux, mon Dieu. Bah, Bordeaux, on disait, il n'est pas assez bon pour jouer en défense centrale. Donc il est parti en Espagne. Où, en fait, bizarrement, le fait qu'il joue au football, on n'a pas dit, bon, bah, c'est nul. Et maintenant, il vaut 80 millions. Et si Camara, il va pour remplacer Koundé et que à Séville et qu'il explose tout et qu'il en est revendu en défenseur central et qu'il est revendu 80 millions, franchement, je vais tout casser. Oui. Non, mais... Ne casse pas le décor, s'il te plaît, parce que c'est pas facile. Ouais. Non, mais moi, je pense que je pense que l'accord qu'il y a entre le club et Camara, déjà, s'il doit prolonger, c'est que dans son état d'esprit, l'état d'esprit notamment du coach, c'est de le faire jouer dans l'axe défenseur. Il n'a jamais fait jouer. Non, mais il n'y aura plus d'ambiguïté de le faire jouer faux, latéral droit, de le mettre en porte-à-faux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est au moins ces conditions-là. Le gars fait tout pour rester, pour que le club soit récompensé. Mais si après tu le mets tout en difficulté dans un rôle qu'il n'aime pas du tout ou qu'il ne lui convient pas, ça ne serait pas réglo, quoi, tu vois? Non. Enfin, il y a quand même un échange, il y a quand même des accords. Et pour dire que le deuxième rôle de Camara, pour moi, j'aimerais voir Camara, Saliba, Pérez. Et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimerais que si Camara reste à l'OM, il soit installé vraiment à un poste, en fait. J'ai plus envie de le surtout voir que Gay, peu, comme dit, à plusieurs postes. J'ai envie vraiment de l'installer. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas sûr. Après, c'est notre avis, c'est pas. C'est, oui, pas non, mais ça c'est. Bon, on va passer à autre chose parce que. Leur tourne. Il va y avoir la fac. Juste pour conclure, Radonjić devrait aussi, lui, rapidement partir. Je vais casser encore. Non, c'est pas toi qui casse. Il est entre Benfica et le Hertha Berlin. A priori, M. Longoria fait monter les enchères. Donc il est toujours à Marseille, voilà. Entre Lisbonne et... Ouais. Désolé. Attends, si c'est pour rater désolé. Pour 1 million, non, mais bon, ça, à mon avis, ça va se faire. Mais Tsar, on attend toujours le gros chèque de Première Ligue. Lui, il a disparu de la circulation. De toute façon, lui, il est clairement poussé aussi vers la sortie. On a parlé, parce que là, il aurait pu être titulaire, par exemple, face à Nice, oui. S'il était vraiment dans le groupe. Ouais. On a parlé, parce que Ancelotti et Tsar, à son meilleur niveau, je pense que ça peut être intéressant. On a parlé de Southampton, qui a perdu son défenseur central. On a parlé aussi de West Ham, donc à suivre. Ça peut être peut-être un chèque de 15-20 millions d'euros. Et là, l'équipe parlait ce matin, c'était plus étonnant, d'un possible départ d'un gendarme à ma vie, ou d'un Valentin Rongier. Alors, Jordan Mavi, on rappelle quand même qu'il était en fin de contrat et qu'il a prolongé, mais que finalement, on ne lui a pas trouvé un poste dans cette équipe. Est-ce que vous imaginez un départ de Jordan Mavi alors qu'il vient juste de prolonger?
Moi, ça me semble bizarre, la façon, comment ça a été géré. Parce qu'il était déjà là, Sampaoli, quand il prolonge. Ça a été géré. On s'est dit qu'avec la façon dont jouait Sampaoli, il rentrait dans le système. Et là, on l'a plus vu jouer. Il a joué une minute, quoi. Il a joué 5 minutes. Et là, on parle maintenant d'un prêt ou d'un transfert. C'est assez bizarre. Si c'est un prêt, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, si c'est un transfert, oui, tu parce que la prolongée, sur un joueur que tu récupères l'argent, ça serait pas mal. Mais bon, j'ai pas trop bien compris le fonctionnement du cas ma vie, quoi. Donc voilà. Maintenant, si on le vend, c'est une bonne chose. Si c'est un prêt, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu vois ça, toi. Oui, je suis plus ou moins d'accord. Après, je vois ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'à la base, tu voulais jouer d'une certaine manière. En plus, Longoria a travaillé déjà depuis de nombreux mois sur la prolongation d'Amavi. Donc, sans doute qu'il a dû demander à Sampaoli, qui lui a dit oui, bah, moi, je vais avoir besoin d'un latéral gauche. Il a le profil, machin. Donc, ils l'ont prolongé. Et puis, en cours de route, il s'est dit bon, OK, en fait, je n'ai peut-être pas joué avec des latéraux. Et que le mec, il a été prolongé et qu'il s'est dit bah, par contre, il peut parfaitement te ce rôle de à moitié latéral gauche, à moitié défenseur central que tient Luan Pérez, sauf que bon, bah, ça donne pas trop satisfaction. Après, peut-être qu'on va le revoir dans ce rôle-là déjà, à ma vie, et ensuite bon, s'il venait à partir et qu'il part pour une indemnité de départ plutôt sympa qui couvre aussi la prime à la signature qu'on a dû lui donner pour le prolonger. Bon, pourquoi pas, moi je vais pas pleurer sur le départ de Jordan Amavi. C'est pas un joueur, c'est un joueur qui, pour lequel j'ai un certain respect pour son retour, etc. Vraiment, donc je respecte les efforts mentaux qu'il a dû faire pour se sortir de la tête de l'eau, mais c'est aussi un joueur qui a été mauvais 75% du temps à l'Olympique de Marseille, et voilà quoi. Et c'est puis, pas un très bon défenseur en plus. Pour moi, c'est pas un très bon attaquant non plus, c'est pas un très bon défenseur. C'est un contre-attaquant. Il a été très bon. Il a été bon l'année Villas-Boas. Il a été très bon le début de saison de l'an 2 Villas-Boas. Avant de se blesser. Ouais. Puis il s'est blessé. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens. Après le reste, pour moi, il a été mauvais à son arrivée. Il est pas trop mal quelques mois. Puis directement à partir du moment où ton compat joue à Karate Kid, il a plongé, il a disparu. Donc voilà quoi. Moi, si il part, Jordan à ma vie, ça me fera pas grand chose. Il a quel âge? Il a 27 ans, 27 ans. Donc bon, c'est pas. Ça me fait ni chaud ni froid quoi. Pour pas c'est utiliser bien. D'expression plus vulgaire qu'utilisait Jacques Chirac. D'accord. T'en bats le steak. Non. C'est pas ça. Il en est question d'une et d'une autre. Oui, ça en fait bouger. je me souviens plus. Donc du coup, on va clôturer là-dessus. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a eu un début de mercato très intense. On a eu une période de repos tranquille. On a pu se concentrer sur les matchs. Et j'ai l'impression que, encore une fois, Ryan, on va avoir un 31 août fatigant. Quoi. C'est ma conclusion. Le 31 août, je pars à Chypre. Voilà, ça ne sera pas fatigant. Voilà, pour moi, ça ne sera pas fatigant. Tu vas nous chercher un joueur ? Ouais, il va chercher un joueur là-bas. Joueur biélorusse là-bas. Il va surtout prendre des commissions d'agent, a priori, c'est pas mal pour ça. Allez, Ryan, tu peux lancer la fac. Alors, Ryan, que se passe-t-il sur les chats actuellement ? Alors, les chats sont de très très bons relais d'informations, donc je vous remercie énormément. Breaking. Parce que, non, mais c'est pas une là, il y en a beaucoup. 60. Il y en a beaucoup, donc je suis désolé pour les questions. J'en avais pris beaucoup, mais là déjà, on a pris beaucoup de retard. On a fait 1h20 d'émission. Ah, je suis trop long, j'avoue. C'est l'effet Mourad, ça. Non, j'ai fait 2h lundi. Allez, du coup, vous avez parlé d'attaquants, etc., de Sorloth, de Ugbo. Alors, je peux vous donner des informations sur les deux. Enfin, des petits breakings de Flo Germain sur RMC, qui dit « L'OM est bien en négociation avec Leipzig pour Sorloth. Les deux clubs discutent autour d'un prêt avec option d'achat. Et pour Ike Ugbo, ça commencerait à devenir sa priorité, l'OM. » Alors qu'il était censé passer sa visite médicale avec Genk, et il s'agirait par contre d'un transfert sec. Donc par contre, il n'y a pas de confirmation pour les autres noms qui sont évoqués. Je vous donne. Vas-y. Le montant qui a été évoqué pour l'option d'achat de Sorloth, on parlait de 16 millions quand même. Oui, c'est un attaquant qui est assez coté quand même. C'est pas pareil. Et là, c'est 3,5 millions, entre 3 et 4 millions. Oui, c'est ça. Pour un profil qui, semble-t-il, vous a plus séduit dans la description de Florian. C'est Florian qui nous l'a vendu. Après, voilà. Florian, c'est ce qu'il a vu en Belgique, c'est pas non plus... Exactement. Bah, comme Luan Pérez, on peut le rappeler, il nous en avait parlé, il nous avait pas dit que du bien, et pourtant, on est assez content de lui quand on l'a vu. C'était un prêt raté, ça arrive aussi. Voilà, exactement. Donc là, c'est bon, on peut clôturer les deux, et on va ajouter un nom
un nom dans ses attaquants. Un attaquant, parce que Là, par contre, je pense que y a, soit vous allez être content, soit vous allez rire. Rebondir. Voilà, Fabrizio Romano qui nous parle de Wang, de Bordeaux. Voilà, le match qu'il a fait contre l'OM. Mais c'est à qui que j'en parlais, c'est pas à toi pendant le match. Je comprends. Ça devait être à Constant. Où je lui dis, en fait, moi tu sais, je l'aime bien Wang. C'est pas que c'est un bon joueur, mais c'est pas que c'est un mauvais joueur non plus. Non, mais il a fait des bons matchs, mais celui face à l'OM. Enfin, ça reste quand même le meilleur attaquant de Bordeaux. Hein. Oui, mais en même temps, meilleur buteur. En ce moment, c'est pas super difficile. Non, mais oui. Mais surtout, en fait, c'est plutôt un attaquant qui prend un peu la profondeur, qui a un peu des courses. En fait, ça colle pas trop avec les deux autres profils. C'est plus technique, plus la vitesse. Ouais, il a un petit peu, il a un peu de vitesse, quoi. Il est. Moi, je suis pas hyper hypé, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, par cette info. Ouais, d'accord. Alors peut-être que Mourad va pouvoir. Je ne sais pas si tu regardes un petit peu les matchs de River en ce moment. Non. Non, mais alors il y a peut-être un joueur dont on. Mais c'est quoi là, c'est la foire. C'est là, je t'ai dit. C'est la foire là. Et ça arrive de tous les côtés. Angileri, voilà, qui pourrait partir de River. Il lui reste un an de contrat latéral gauche. Lazio, Celta. Voilà, il y a l'OM, Lazio et le Celta Vigo, du coup, qui serait intéressé. Mais c'est latéral gauche, donc. C'est ça, c'est un latéral gauche. Joue sans latéral. Bon, ça va. Ouais, mais si tu changes de système avec l'arrivée de Lirola, etc. Donc bon. Je le connais pas. Ouais. Je pense qu'il va avoir beaucoup d'embouteillages dans cette équipe là. Et puis le système va beaucoup changer. Hein. A priori, si on parle de ça. TNT Sport, du coup, qui sort ça. Il va y avoir des articles à faire ce soir. Hein. Ah ben oui, mais je ne travaille pas, moi, je serai au restaurant. Et voilà. Donc voilà. Après, peut-être, oui. Après, la dernière fois que j'ai dit qu'une rumeur était complètement bidon, c'était Patrice Evra à l'OM. C'est vrai. Donc depuis. Au poste de latéral gauche en plus. Donc là, on est déjà à 4. Ouais. Deux confirmations et deux nouvelles rumeurs. Et ça s'arrête là ou... Ça s'arrête là. Ah, c'est déjà pas mal quand même. C'est quand même. Franchement, c'est quand même sympa. Donc voilà, vous avez du coup tout ça, toutes ces petites informations. Maintenant, on a potentiellement des questions. Allez, vas-y. Allez, on fait 5-10 minutes. On nous a beaucoup parlé d'Almada, toujours. Il n'y a pas d'infos là-dessus. Il lâche pas sur Almada. C'est hype Almada qui est toujours là. On dit, ça y est, place d'extra-communautaire avec Benedetto, elle est partie. Oui, est-ce qu'il faut maintenant relancer ce dossier Almada? Bon, déjà, je pense que vu que tu perds Benedetto, la priorité, c'est quand même de prendre quelqu'un poste pour poste, à savoir un attaquant. Almada, ce serait quoi? Ce serait plus une doublure pour Payet ou un autre système. Donc, il y a une énorme hype sur Almada. Bon, je répète encore une fois. Ça vaut combien ça, Almada? 15-20, a priori. Plus Gini, ça vaut combien? 10-15? Ouais. 10-12 peut-être. On connaît. Ouais, 10-12. On connaît. On connaît. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Almada, dans le championnat argentin, c'est dans le top 3 des jeunes talents. On m'a dit ça. C'est dans le top 3 des jeunes talents dans le championnat argentin. Donc, il faut remettre en contexte. Voilà. Après, moi, je ne l'ai pas suffisamment vu jouer pour avoir un avis sur lui. Nico, moi, je veux bien que c'est le top 3 des jeunes joueurs argentins, mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui se bousculent. Non, parce que le Vélez, c'est très gourmand, surtout. Ouais, mais bon, il y a juste aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui, on a parlé de la Atlanta. Atlanta. Je veux dire, ce n'est pas le plus gros club qui existe au monde, tu vois. Non, mais a priori, il y a quelques clubs européens qui s'y intéressent, mais Vélez est tellement gourmand sur ce dossier que. Moi, je ne sais pas. Moi, il y a des garçons comme. Tu vois, Moulet. Le gitan aussi de Savanier. Non, mais quand je dis le gitan, parce que j'aime bien ce joueur. Franchement, j'aime bien ce joueur. Le gitan aussi. Ouais, voilà. Parce que déjà dans la mentalité et tout sur le terrain, je trouve qu'il y a quelque chose techniquement et tout le reste, ça travaille Flugini. Donc, voilà, ce style de joueur qui, moi, me semble plus adapté à l'Olympique de Marseille. Quitte à mettre plus de 10 millions d'euros, autant prendre un joueur que tu connais, c'est ce que voilà, tu donc penses. Et puis, bon, il connaît le championnat, il va de suite se mettre dans le grand bain. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis ou pas, mais bon, moi... Fuji, c'est un bon joueur. C'est intéressant. Là, il a fait l'affaire contre Lyon. C'est... Bon, il faut... En fait, il y a beaucoup de trucs. En fait, il faut déjà que la cellule de recrutement, le directeur sportif, l'entraîneur connaissent bien Almada. Peut-être que si eux, ils le connaissent bien, tu vois, ils le connaissent aussi bien que nous, on connaît Fulgini. Mmh. Donc, à partir de là, ça peut équilibrer le truc. Après, on peut aussi se dire que Almada est plus jeune que les joueurs cités et que bon, peut-être que c'est pour ça aussi que tu te diriges vers ce genre de truc. Mais dans tous les cas, ça me semble pas être la priorité à l'heure actuelle d'aller chercher
Thiago Almada, mais bon. Moi, je comprends pas pourquoi il y a une telle hype autour de ce joueur. Je dis pas qu'il... Moi, je pense, on m'a dit que c'était un bon joueur. Je pense que c'est un très bon joueur. C'est un jeune joueur qui a besoin. Lui, je l'ai vu un petit emballement. Je l'ai vu un petit peu jouer parce que c'est un petit Argentin, un petit peu dribbleur. Pas, c'est pas un numéro 10, mais voilà, c'est un peu un dribbleur. C'est quelqu'un qui a joué sous les ordres d'Enze, donc dans un système un peu Bielsa, qui était un petit peu mis en avant parce que c'est des systèmes qui font la part belle aux joueurs offensifs. Donc il a montré de belles choses. Après, il en a montré d'autres moins belles hors du terrain. Ne l'oublions pas. C'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il a d'ailleurs assez peu de clubs. Bon, je pense pas que ce soit que pour ça, mais ça dans joue tous aussi, les cas, ça joue, bien sûr. Mais dans tous les cas, on en fait beaucoup parce que c'est aussi exotique, donc on a envie de voir ce que c'est. C'est un peu nouveau. Cette année, tout le monde veut du neuf aussi. Hein, c'est un peu. Tu vois, moi je comparerais Adli. C'est un joueur que j'ai vu un petit peu avec Toulouse et qui, dans cette idée de remplaçant à Payet, il me plaît beaucoup parce que c'est le même genre de prospect. C'est pas tout à fait le même genre de poste, mais ça peut être le même genre de poste, de créateur, tout ça. Tu vois, moi, si je devais faire un choix entre les deux, je sais pas lequel des deux je prendrais, mais après, ça dépend. Voilà, Il y a un peu des ondes négatives sur ses comportements extrasportifs. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas Toulouse? Parce que là, il y a un gros conflit avec Toulouse. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne un joueur qui soit compétitif de suite. Ouais. Tu veux pas un temps d'adaptation? Et puis voilà. Et puis Sampaoli, il veut des joueurs qui s'adaptent rapidement aussi maintenant. Parce que le championnat est lancé, tu vois. J'entends ce que tu dis, Jean-Charles, mais le truc, en fait, moi, je comprends le sens de la question. C'est que, effectivement, Benedetto, ça libère une place d'extra-communautaire. Donc tout le monde se dit, ça veut dire que l'OM va recruter un extra-communautaire. C'est peut-être ça aussi. Tu es pas obligé. Ça dépend aussi de combien il te reste, combien tu peux dépenser après avoir. Tu vois, quelle est ta latitude financière? C'est-à-dire que, ok, tu as libéré du salaire, mais tu vois, est-ce que le club est prêt à lâcher en prêt avec option d'achat, avec des trucs? Tu vois, il y a plein d'autres trucs qui entrent en ligne de compte. Donc voilà, mais après, Fulgini, c'est pas non plus une mauvaise idée. Il y a plein de très bons joueurs. Qui a pas mal progressé, etc. Donc voilà. Bon, au revoir. Allez, une dernière question, Ryan. Allez, ok. On a une dernière question, du coup. Deux petites ou une grande ou ce que tu veux. Bon, du coup, vous avez parlé un petit peu de Tchaïtatsar parce que c'est vrai qu'on vous avait fait vos possibles défenseurs centraux pour remplacer Balerdi, vous ne l'aviez pas cité. Et donc tout le chat était en train de dire mais Tchaïtatsar. Et tu en as parlé à toute fin, donc ça m'a grillé une question parce que je voulais vous le dire et que vous disiez ah, mais c'est vrai, on l'a oublié. Ouais. Et non. Du coup, voilà, tu m'as grillé ce truc-là, mais donc voilà, donc, on te demande. Je peux te répondre pour Tchaïtatsar. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai oublié parce que c'est un joueur qui est déjà assez lourd, qui a une carapace assez robuste. Une carcasse. Il est assez robuste. Il lui faut beaucoup de temps de jeu pour le remettre titulaire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a besoin de jouer, de beaucoup jouer. Tu le lances comme ça, il n'a pas joué de match depuis le début. Ouais, puis il a eu le Covid. C'est un joueur qu'il lui faut beaucoup de rythme. Et là, il n'a pas le rythme. Il n'est peut-être pas non plus ultra concerné parce que s'il pense peut-être à son départ. Aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, ça lève pas de ses qualités parce qu'il nous avait montré de belles qualités, notamment en début de saison. Moi, je le vois bien en Angleterre depuis le début. Mais voilà, après, à choisir, c'est pas lui que je mettrais en cas de pour remplacer Balerdi. Et puis, en fait, un autre truc, c'est que moi, je le verrais bien dans un rôle de stopper, mais là, pour remplacer Balerdi, il te faut... D'ailleurs, on sur le terrain, c'est compliqué. Voilà, il te faut un peu un patron de défense et que il a pas trop cette vibe-là. Par contre, oui, il a ce côté relance, jeu long et à un moment, sous Villas-Boas, c'était limite notre meneur de jeu parce qu'on kiffait trop la vibe et que c'était vraiment génial. Appel de Radonjić. Voilà. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai qu'en fait on n'y pense pas du tout parce qu'il est complètement sur le départ. Il a été complètement exclu. J'ai l'impression qu'il n'est pas prêt en fait pour jouer. Peut-être aussi que Jean-Charles il a raison, il n'est peut-être pas prêt pour jouer. On se souvient qu'il est lancé à Nîmes dans un match où il n'était pas prêt pour jouer et donc il s'était fait défoncer. Donc peut-être on aussi. On se souvient très bien. Et ça compte un risque de encore plonger. Ouais. Voilà, c'est peut-être pas lui rendre le service que de le faire jouer. Si on nous regarde. Allez, une dernière, Ryan. C'était pas vraiment une question, finalement. Toute dernière, on parle par rapport à... Alors, c'est un peu un truc que tu peux lier avec Ugbo aussi, parce qu'il est assez jeune, mais je crois qu'il a joué avec les jeunes d'Angleterre, mais il pourrait peut-être jouer aussi avec le Nigeria, on ne sait pas. Et il y a la CAN qui arrive, donc c'est vrai qu'avec des profils comme Delors, dont vous parliez tout à l'heure, ou alors Ugbo, s'il est appelé avec
avec le Nigeria, bah, ce sont des attaquants que dont tu te prives pendant 2 mois. Est-ce que ça entre en ligne de compte dans vos... Je pense que c'est en janvier-février, du coup, pour la CAN. Mais ça, forcément, les recruteurs, enfin, un directeur sportif, il y pense à ça, forcément. Oui. C'est vrai que c'est hyper important d'avoir des joueurs qui ne portent pas la CAN, parce que ça te diminue ton effectif. Si ces joueurs-là sont pleins de bourre et que ça claque des buts et que c'est un petit peu la dépendance, tu te dis ouais, c'est pas le bon moment pour que ça aille. Après, donc, normalement, il doit venir en tant que remplaçant de Milik. Et c'est pas, tu vois, comme la saison de Bielsa où tu perds Nkoulou, Ayou, qui étaient 2 vrais titulaires et que là, ça t'a vraiment fait mal. Là, c'est censé plutôt être un remplaçant. Mais moi aussi, la question que je me pose, c'est par rapport au timing, c'est-à-dire que tu as mis du temps à faire partir Benedetto et que là, imaginons que tu fasses venir un joueur dans la semaine qui vient, dans les 10 jours qui viennent, Milik, qui revient mi-septembre, quoi. Donc, en fait, là où tu en aurais eu le plus besoin, limite, c'était au début. Donc, c'est vrai que je comprends pas que ça ait traîné autant, cette histoire. Moi, je me pose la question, Milik, Delors, ça peut pas jouer ensemble ? Bah, c'est toujours l'histoire de système de jeu. Ouais, mais bon. Germain Mitroglou, ça peut pas jouer ensemble. Non, mais tu vois, je sais pas. On peut pas aussi exclure, sûr, on peut pas exclure l'association. Mais depuis le début, on en parlait, Milik et Benedetto, moi je trouvais que c'était une belle association sur le papier aussi. Mais ça dépend du système, c'est tout ce que tu mets en place autour en fait. Et là pour l'instant, il a pas l'air de partir sur 2 points, notre ami Sampaoli. Bon, on verra, je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus. Rien, à moins que tu aies une petite dernière remarque. Une petite dernière remarque, c'est que Simon a été présélectionné aussi avec le Cameroun, donc on voilà, peut le féliciter déjà. Et, et ça Simon peut aussi. Nkapadou Ntenbou. Oh, bravo. Voilà. Tu l'avais pas celle-là. Hein. Non, j'étais pas prêt. Eh oui. Non, mais donc, du coup, voilà, c'est vrai que ça. Bah, t'as Simon. Tu peux le faire 2 fois ou tu peux le faire qu'une Nkapadou Ntenbou. Il s'est fait des moyens mnémotechniques avec un doigt et tout. Je suis content pour lui parce que lui, il a démontré dans les matchs amicaux qu'il était capable d'être bon à l'Olympique de Marseille. Ce jeune joueur-là, c'est dommage qu'il végète un peu, non ? Je sais pas. Bon, après, c'est une autre émission qu'il faut faire sur la politique du centre de formation qui est. Et tu feras peut-être quelque chose là-dessus. Bref. On va s'arrêter, messieurs. Ouais. Je pense que c'est pas mal. J'ai encore débordé. 1:35. Je suis désolé. Hein. 1:35, c'est pas mal. Ouais. Il y avait tellement de choses à dire. Et on n'a pas fait petit débat Mandanda. Hein. Donc je laisserai. Je vais découper ce petit débat. Je vais le laisser là, comme ça. Je vais le plier. Et c'est Monsieur Courme qui fera le débat s'il en a envie lundi, parce que ce sera encore d'actualité, je pense. Je voulais faire une mauvaise blague qui allait encore rajouter sur les rumeurs narcotiques autour de Benjamin Courme. C'est comme Obélix, il est tombé dedans tout petit. Enfin, vraiment. Mais il a. Bon, merci Mourad d'être venu. Merci Jean-Charles d'être venu. On vous donne rendez-vous donc dimanche. On ne sait pas encore si on fait un live d'ailleurs. On n'a pas encore décidé, mais Ryan, c'est vrai. Je vais appeler Monsieur Courme. À toi de voir. On verra. Peut-être dimanche soir, on fera un live. Il sera fatigué parce qu'il a un mariage samedi. Mais on s'était régalé. On fera peut-être un nouveau live, Jean-Charles. On s'était régalé. Si on fait un live, donc en live, vous pouvez nous retrouver à l'heure du match en direct sur Twitch. Si on ne fait pas de live, quoi qu'il arrive, il y aura un après-match. Donc soyez au rendez-vous pour vivre le match avec nous ce dimanche. Et bien sûr, lundi, on débriefera tout ça dans Débat Foot Marseille. Je serai en vacances, je ne serai pas là, mais je vous suivrai avec grande attention. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.